Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi pour la dernière édition de cette semaine de DBS Matin. Vous connaissez déjà le principe. Notre vœu le plus cher, c'est de décrypter l'actualité, décrypter l'information, justement, que vous connaissez de par le monde. En entrant dans le week-end ce matin, et nous, ici, nous sommes en plein travail. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Alain Diop, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Mangue Vernassus, good morning, welcome. Good morning Steve and good morning to our viewers this last day of the week. Last day of the week, vous l'avez bien dit, hein? J'espère que vous vous sentez mieux dans votre cœur, hein? Parce que peut-être vous n'allez pas revenir travailler demain. Non, actually Steve, when it comes to weekend, everybody feels you kind of, you feel that this. Tout le monde est relax. That is the point. En tout cas, moi, je serai encore là demain matin. Mais tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, prenons déjà la revue de presse, hein, l'actualité traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, camerounaise, sans oublier, bien sûr, l'internationale. La première partie en anglais, cette fois-ci avec Mangue Vernassus. Day of the week, Friday, 8th of May, 2020, a review of what papers have takes us to the Guardian Post newspaper that writes, Bia boasts COVID-19 fight with rapid test kits. Public health minister says the equipment would produce results within 15 minutes. And these kits are part of the 2 billion franc CFA worth of hygienic and medical assistance recently offered by the head of state to Cameroonians. And the consignments were handed to the Minister of Public Health yesterday by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, in Yaoundé. Still on health issues, talking about post-COVID-19 recovery plan, the paper in their inside story tells us how Motaze seduced the International Monetary Fund to grant Cameroon 135 billion francs CFA loan. And in education, the paper informs us that the University of Boya dismisses Agbobala for setting exams on Anglophone crisis. Read the story on page 2 of the Guardian Post newspaper. The government-owned Cameroon Tribune on page 3 looks at the evaluation of government strategy to fight COVID-19 pandemic with new directives from the Prime Minister. While presiding the weekly meeting of the Interministerial Committee charged with the follow-up of government's strategy in fighting the pandemic, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, gave out directives such as the control of the opening and closing of drinking spots, intensifying the sensitization process of the population to adopt healthy measures to curb the spread of the virus, reinforcing the control of overloading in transport sector, and the acceleration of actions aimed at local production of drugs. According to the Prime Minister, relaxing preventive measures is not to say that COVID-19 pandemic has finished in Cameroon. On page 2, Cameroon Tribune comes back to the ceremony yesterday in Yaoundé where the special gift of the head of state was handed to the Minister of Public Health. These were a total of 5,000 rapid testing kits which are able to produce results in 15 minutes. And as government launched the sales of treasury bonds last Wednesday, May 6th, the paper tells us that the sum of 46 billion francs CFA was raised. As such, Cameroon is gradually approaching its target of 220 billion francs CFA. We take Informate newspaper that has their focus on the presidential gift of rapid testing kits that will give out results in 15 minutes. The Minister of Territorial Administration gave out the gift yesterday in Yaoundé to Minister Manauda Malache, Minister of Public Health. And Le Jour newspaper announces the passing on of the Special Affairs Advisor to Paul Biya, Tikala Kemoni. On page 5, the paper looks at who Tikala Kemoni was, a man not known to many. Le Soir newspaper on health issue says the Jongolo Hospital is in agony. After carrying out an impromptu visit to the health facility, the Minister of Public Health left the environment very worried, as we read on page 3 of Le Soir newspaper. Repair newspaper's attention
is on the invention of Cameroon Embassy in Berlin and the stigmatization of Cameroonians in Bangui. And the paper says Yaoundé expresses her indignation. L'Economie newspaper says the pharmaceutical industry is complaining of a bitter bill for the importation of essential drugs. We go out of Cameroon and next door Nigeria. The Osun State Police Command, as the Vanguard newspaper says, yesterday Thursday, docked one Akendi Adeniye before a magistrate court sitting in Ile Ife for allegedly bathing his wife with hot water for suspecting her of infidelity. In Kenya, the Standard Digital newspaper says the ODM leaders are angry with President Uhuru Kenyatta, raising queries on handshake as the country has suspended such action so as to fight COVID-19. We end with the Guardian newspaper in Britain that says there are fears that number 10 Downing Street has lost grip on lockdown exit plan. Steve, these are some of the information we could have from newspapers on our disposal. Il faut également rappeler que le 10 Downing Street, c'est le lieu où travaille d'ailleurs le Premier ministre, il faut le dire anglais, il faut le préciser également, on comprend pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, nos amis du Guardian nous font savoir que là-bas de l'autre côté, il n'y a pas, tout ne marche pas toujours super bien. Actually, and given that the Prime Minister was sick, you know, he was contaminated. Oui, on est toujours, on sait précisément qu'il avait eu le COVID-19, mais ça commence déjà à aller, allons-y cette fois-ci en langue française, cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Mutation qui évoque, ministre PCA, le salaire du cumul. Les arrêtés signés par le ministre des Finances remettent au goût du jour la question de l'accumulation des prérogatives et privilèges entre les mains de certains membres du gouvernement au détriment de l'efficacité et de la circulation des compétences. Le journal Singan fait le classement des entreprises d'État et pense que Mbemi Yanga dévalorise son attrait. Selon le journal, conformément au dossier technique transmis au ministère des Finances, cette entreprise d'investissement, de transport et d'achat d'énergie électrique se retrouve reléguée à la catégorie 5 des établissements publics. Autopsie d'un aménagement catastrophique, c'est à lire en page 5 du journal Singan. De ce jour, COVID-19, le résultat du test en 15 minutes. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. Selon le journal, hier à Yaoundé, le Minat, Paul Tangandi a remis d'importants dons du chef de l'État, Paul Biya, au ministre de Santé, Manaouda Malachi. En page 2 du même journal, l'on évoque le remaniement avec le compte à rebours qui est enclenché. Le journal nous apprend que les noms circulent déjà et que le Premier ministre Joseph Diongouté est en souci. Le quotidien L'Épervier s'intéresse également aux dons du chef de l'État mis à la disposition du ministre Santé Paul Atangandi au nom du chef de l'État remis donc au ministre Santé hier. Les kits de dépistage rapide composés donc de 5000 tests et combinaisons pour le personnel soignant. Un don qui arrive donc à point nommé, nous dit le journal. Le journal Le Soir qui évoque l'hôpital de Djungulu qui est dans l'agonie. À en croire donc le journal, après avoir effectué une visite inopinée dans cette formation sanitaire, le ministre de la Santé est donc reparti de la soucieuse. Cameroun Tribune parle de l'évaluation de la stratégie de lutte contre le coronavirus et des nouvelles directives du Premier ministre. Président, hier, la réunion donc hebdomadaire du comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun. Le Premier ministre prescrit donc le contrôle des heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, l'intensification de la sensibilisation pour amener les populations à adopter un comportement responsable dans les lieux publics. Le renforcement des contrôles pour éviter les surcharges dans le transport en commun et puis l'accélération des actions en vue de la production locale des médicaments. Pour le Premier ministre, des mesures d'assouplissement ne marquent pas la fin du COVID-19 au Cameroun. Au Gabon, le journal L'Union laisse donc un questionnement à son pied de une ce matin. COVID-19, où en est la lutte? En effet, au lendemain de celle des sénateurs, le Premier ministre gabonais répondait hier à l'interpellation des députés autour de la stratégie de lutte de son gouvernement contre le COVID-19. Une commission parlementaire devrait ainsi être mise en place afin de voir clair dans la gestion de cette crise sanitaire.
Au Congo, les dépêches de Brazzaville retranscrit l'interview du président Denis Sassou Nguesso sur RFI France 24 qui dit, et je cite, « Nous ne croyons pas à un effondrement de l'économie congolaise ». Le président congolais est également revenu sur la pandémie du Covid-19 et la prorogation des mesures de confinement jusqu'au 15 mai prochain. Terminons en RD Congo avec le courrier de Kinshasa qui revient sur l'évaluation et de l'application des mesures de gratuité d'eau et d'électricité. La rencontre donc d'évaluation technique des mesures de gratuité d'eau et d'électricité durant la période de la pandémie du Covid-19, c'est du côté du Congo, a donc été évalué hier, Steve. On comprend en tout cas que même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. C'est ce que vous avez pu en tout cas produire comme journaux et quotidiens ce matin. Messieurs, commençons déjà par la une du Cameroun Tribune qui nous parle de l'évaluation de la stratégie de lutte contre le coronavirus. Les nouvelles directives du Premier ministre Alain Diok. Oui, absolument. Le Premier ministre essaye de faire en sorte que les gens respectent la loi parce que il y a parmi nous qui ne savent pas que justement il y avait la loi fondamentale dit effectivement qu'il y a des heures de fermeture des débits de boissons, il y a également des heures d'ouverture. Donc tout cela doit être maintenant respecté pour faire en sorte que effectivement les gens puissent être à l'abri de cette... Finalement, on avait donné le quitus à ces débits de boissons d'ouvrir même après 18 heures. Maintenant, il va falloir fermer. Oui, même après 18 heures. Oui, même après 18 heures parce que justement la loi dit que l'ouverture c'est de 7h à 21h. Mais pour les ventes à emporter. Pour les ventes à emporter, ça c'est pour les ventes à emporter. Maintenant pour les autres, il y a des discothèques, il y a des snack bars, il y a tout cela. Ça obéit à une certaine réglementation. Donc il faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'aujourd'hui on laisse ou avant la pandémie on laissait, mais il faut savoir que la loi interdit, il y a des heures de fermeture et il y a également les heures d'ouverture. Donc ce matin, en arrivant déjà du côté de Ndokoti, il faut le préciser. Absolument, le Premier ministre a simplement... Il y a pas mal de personnes qui étaient encore dans les snack bars, et sans oublier bien sûr les coins où, bon, vous savez, les coins chauds de la ville. Donc le Premier ministre fait simplement en sorte que ceux qui sont... Un rappel pour que ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de faire respecter cette loi, essayent de faire quelque chose pour que justement qu'on n'en arrive pas à des dérives telles que nous voyons sur le terrain. Jusqu'à preuve de contraire, c'est bien, on en parlait encore sur ce plateau lors des débats, pour faire savoir qu'après 18h, ça va encore créer, il faut le dire comme ça, une augmentation des chiffres, il faut le dire comme ça, des contaminés au Covid-19. Steve, I think it is good news to many Cameroonians who are of the opinion that the government has opened, you know, a way for... Ils sont nombreux les Camerounais qui ne voulaient même plus, qu'il fallait qu'on reste à 18h. Mais bon, vous savez... Actually, that's why they were condemning the fact that the government would have allowed Cameroonians to remain respecting these rules of closing at 6 p.m. But then I think that law is to clarify, like Njoko was saying, Cameroonians are not aware that drinking spots has a kind of, a fixed hour in which they are supposed to close. It was just like you close when you don't have customers. You know, you could just open in as much as there are customers and they are drinking, you can open till in the morning. So I think that this vous pensez qu'il y a un bar aujourd'hui ou alors un snack bar qui n'a pas de clients? When we say customers, c'est une partie qui donne beaucoup d'argent. Vous n'avez qu'à essayer d'ouvrir un bar. Customers are actually paying because in the, especially something like nightclub, people may drink and maybe around 2, 3, 4 o'clock, they are just there dancing. Je vous rappelle qu'à 6h du matin, je suis passé quelque dancing. Part, il y a toujours les gens qui sont en train de danser. We understand, Steve, but the problem now is, I think the government, from what the Prime Minister was saying, is let us come back and respect these regulations so as to control, you know, the spreading of this virus. Because Cameroonians were already of the opinion that... Oui, mais said, monsieur, il ne faut pas oublier que pendant que vous travaillez en journée, il y a d'autres qui ont travaillé la nuit. Well, that's mais que, absolument. Bon, c'est le moment de dormir. Je voudrais ajouter à sa suite parce que il faut dire aux gens que ce n'est pas le Cameroun qui était le premier pays à déconfiner. Hier, on parlait même du Ghana. Mm-hmm. Et on a même dit que le Ghana, après ce déconfinement, il y a eu beaucoup plus de cas. Et donc, on est en train de prendre des mesures, comme c'est le cas avec le Premier ministre camerounais. Yes. Donc, je crois que c'est une phase d'observation. Yeah, I think they're testing it and seeing dans quelle mesure les comportements ont essayé de changer. Yes. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas fait dans cette pandémie. En fait, pour moi, on n'a pas associé tous les maillons de la chaîne. Parce que ce n'est pas seulement le personnel soignant qui intervient, n'est-ce pas, quand il y a pandémie. Il y a aussi des acteurs, par exemple, on n'a pas... associer les sociologues. Parce que les sociologues servent à quoi? Il y a encore des gens qui ont une perception de la maladie. Il y a même certains qui ont une
représentation de la maladie. Il y a même certains chez nous qui pensent que effectivement la maladie n'existe pas. Actuellement. Oui, parce que les gens, ils ont culturellement, ils ont cela. Donc il fallait, moi je pense que là où on a essayé de fauter, parce que je vois, il y a quand même des psychologues, mais on n'a pas associé des sociologues. Donc on comprend, monsieur. I think the Prime Minister, has been insisting since yesterday. Cameron Tobin came back on it, where the Prime Minister was insisting that this fight is not only limited to health personnel. He was calling the government was calling on other areas like traditional rulers, church authorities, municipal executives, oui, that they should take this issue of sensitization, oui, you know, into the grassroots to make sure that they sensitize Cameroonians to understand that the pandemic is there. And in today's edition, Cameron Tobin insisted that the Prime Minister is of the opinion that relaxing these restrictive measures does not mean that the pandemic has finished in Cameroon. Voilà. It exists même, in Cameroon. So et that sensitization, on a même ajouté, yes, qui est très important. On a dit aux mairies, les mairies, yes, peuvent maintenant prendre des dispositions pour des que leur population, oui, yes, to continue, ils peuvent prendre même des, certains décisions pour que par rapport à la population, par rapport à leur population. Monsieur, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le Guardian Post et sans oublier Monsieur Cameroun Tribune nous faisait savoir ce matin qu'il y a un test rapide, hein, un matériel d'ailleurs qui nous vient de l'autre côté pour combattre le Covid-19 et justement on peut avoir un test en 15 minutes. Actually, you know, the Minister of Territorial Administration. Le résultat, il faut le dire en 15 minutes. Yes, the Minister of Territorial Administration yesterday handed a consignment of over 5,000 rapid testing kits to the Minister of Public Health. And the papers informs us this morning that these rapid testing kits are able to produce results within 15 minutes. So it's not like they used to come here, take specimens, and then send them again to Yaoundé, which may take about 2-3 days to get the results. Now it's just 5,000 tests rapides, dès qu'on touche, tout de suite, on sait si vous avez, minutes, yes, you are able to si know vous avez justement le COVID-19 ou pas. Et yes, ça vient résoudre un autre problème. Vous savez qu'il y avait polémique ces jours aussi sur le scanner. C'est-à-dire, yes, qu'il y avait une polémique, yes, sur le scanner. On dit que le scanner était beaucoup the plus rapide. Les thermoflash cameras, voilà, were, yes, était beaucoup plus rapide. Maintenant, yes, qu'il y a des textes, je pense que ça va régler le problème. Et il faut que ceux qui sont encore... Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que dit comme ça avec des mots, hein. Oui, on, oui, espère seulement que ce sera sur le, sur le tas, parce que, oui, lorsque nous allons souvent sur le terrain pour constater justement s'il y a justement ces tests, je ne suis pas sûr qu'on les aura. Mais on va quand même descendre sur le terrain. Non, mais Steve, I think that the government should go an extra mile. 5,000 rapid testing kits, it means we are just going to test 5,000 Cameroonians. On peut leur accorder le bénéfice du doute. Let's expect. Mais pas nous dire que c'est pour un test pour chaque Camerounais. Non, ça marche pas comme ça. Steve, if we are to carry out we have to screen the population, there is nobody, there's no segment of the society that is suspected un of test of contamination. Je pense quand même qu'un test peut toucher 1000 personnes, 5,000 personnes, pourquoi pas? Steve, we can test everybody. You know, government announced mass testing campaign. They talk about it in Douala. Bon, ok, on verra bien justement cette campagne de masse, hein, pour tester justement les Camerounais. Où en est-on, messieurs, avec le mouvement du maire au centre des opérations de la santé publique? Oui, les mouvements du maire, je pense que je crois que c'était le délégué. On a réglé ce problème parce que justement, après donc ce sit-in de personnel soignant, on a le délégué. Je suivais le délégué qui disait que justement, on a en tout cas, les fonds sont déjà disponibles. Donc le lendemain, je crois que c'était avant-hier ou bien hier, le personnel pouvait passer déjà à la caisse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu d'accalmie de ce côté. En espérant toi que les choses vont changer justement de ce côté-là, messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin pour cette revue de presse. Charles Zandt qui était d'ailleurs, hein, entouré de ses amis et surtout de ses copains Charlie Nelly, Henri Ndior. Sans oublier Missingor François, vous êtes sur DBS Matin et bien sûr dans un instant c'est le débat. Et justement, nous entrons de plein pied dans ce débat. Ils sont là, les invités pour le débat de ce matin. À mon extrême droite, il s'appelle André Bandakani, président du NMP. Il est également notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Gauss, bonjour aux techniciens de DBS. Bonjour à mes co-panélistes. C'est toujours un plaisir de participer à ce festin matinal, festin intellectuel qui permet d'échanger mutuellement et de faire avancer la cause de l'humanité, de notre continent et de notre pays. Merci beaucoup en tout cas d'être là ce matin. À ma droite, justement, docteur Yam Timba Dominique, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Gauss, merci de me recevoir encore une fois. Très heureux de vous avoir également ce matin. À ma gauche, Albert Anatole Haïssi, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Steve, je salue mes copanélistes, ceux qui sont là présentés, et celui que vous aurez le plaisir de présenter tout à l'heure, les spectateurs. Je salue particulièrement tous ceux qui nous regardent dans le cadre de cette tribune sur le continent africain et au-delà de ce monde. Mon coup de gueule ce matin, j'espère que je vais rendre un service au président Banda Kani. Mon coup de gueule, il s'adresse aux équipes de la prévention routière. Alors, quels sont les documents que les équipes de prévention routière doivent exiger aux usagers de la route, surtout quand lorsqu'ils ne sont pas assistés, n'est-ce pas, des forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes? D'un, ils doivent vous présenter leur ordre de mission ou leur ordre de service, parce qu'il faut que vous soyez certains qu'ils ne sont pas là de manière frauduleuse. Lorsque vous avez vérifié cela, il faut justement qu'ils doivent vous demander toute l'équipe de sécurité, c'est-à-dire les deux triangles, la boîte de pharmacie, l'extincteur, et bien évidemment, éventuellement, l'impôt libératoire, la carte grise et surtout la visite technique. Ils n'ont pas le droit de vous demander vos pièces personnelles. Il n'y a qu'un homme en tenue qui doit vous exiger vos pièces personnelles. Malheureusement, il y en a qui commettent des abus et très souvent à cause de l'ignorance de nos compatriotes qui ne lisent pas les textes. Justement, ils arrivent à demander les pièces personnelles. Allez savoir justement pourquoi est-ce qu'un individu civil demande les pièces personnelles à un usager de la route. À votre gauche, justement, Albert Anatola, ici Eric Pépin-Bicaille. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui bravent leurs occupations quotidiennes pour nous écouter. Mais également, je adresse un bonjour particulier aux populations des ECA, plus particulièrement au premier magistrat de la ville, M. Choc Sylvain, puisque tout à l'heure nous allons parler d'un sujet qui traitera forcément de nos enfants de l'autre côté. C'est un jeune garçon qui est parti du Maryland pour pouvoir briguer le poste de conseiller municipal à la mairie des ECA, et il a été élu maire de la ville et il tente comme il peut de restructurer la ville des ECA pour qu'elle sorte de ce passé colonial et de cette ville martyre pour devenir véritablement une ville moderne. Donc beaucoup de courage à lui et beaucoup de courage également aux populations pour qu'ils comprennent le bien fondé d'avoir une ville des ECA bien structurée. Je pense qu'il est maire du PCRN, c'est ça? Bien évidemment, pratiquement, on a la Constitution nationale, donc je suis sympathisant. Sympathisant, on vous comprend parfaitement. Chacun va là où il y a ses intérêts. Messieurs, 65 milliards de dollars US, c'est le montant, il faut le dire comme ça, des fonds selon un rapport de l'African Institute of Remittances, AIR, un montant largement au-dessus de l'aide publique au développement que les pays avancés accordent d'ailleurs au continent africain et qui met en exergue le rôle fondamental de la diaspora africaine dans le développement du continent noir. Même si, comme révèle d'ailleurs la revue Érudit, dans l'analyse des processus de développement, la variable, et surtout, il faut le dire comme ça, a un caractère un peu à gauche, ça il faut le préciser également, et surtout un peu paradoxal, parce que depuis les indépendances, en effet, les pays africains, il faut le préciser également, connaissent à des degrés divers l'immigration de leurs ressortissants vers l'Europe et surtout vers l'Amérique du Nord. Et pendant la décennie 1960-1970, l'immigration des ressortissants africains était surtout perçue comme nuisible au développement de l'Afrique. Mais plus tard, cette perception va évoluer pour faire place à une considération nouvelle et surtout positive. Mais il y a également une autre diaspora africaine qui fait parler d'elle, mais cette fois-ci en mal, non pas en bien. Celle qui a choisi en fait le plan de devenir les exilés politiques et qui passe la majeure partie du temps sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas en agressant physiquement les diplomates, les membres de familles présidentielles, ministérielles ou encore des, il faut le dire comme ça, des présentateurs de télévision, ou alors saccager carrément et totalement les ambassades. Pendant que plusieurs travaillent pour le développement du continent, une minorité détruit l'image de l'Afrique à l'extérieur. Voilà la diaspora, messieurs, que nous avons. Même s'il y a des chiffres positifs, on parle de 65 milliards de dollars US chaque année, que rapporte d'ailleurs la diaspora africaine. Je me tourne vers Dr Yamtima, votre réaction. Je pense que le problème de la diaspora, s'il faut commencer par ce qui peut être problématique, c'est peut-être la perception que nous en avons à partir du continent. Oui. Je crois qu'on associe un peu trop la diaspora à l'argent. J'ai pas le sentiment que cette diaspora est extraordinairement riche. Et je pense que l'associer tout le temps au transfert d'argent n'est pas vraiment ce qui préoccupe le plus les populations camerounaises ou africaines. Parce que lorsque vous parlez de la diaspora dans nos villes et dans nos villages, la première chose à laquelle les gens font référence, ce n'est pas à l'argent, ce n'est pas au transfert d'argent. C'est une perception qui est liée
en fait aux pays dans lesquels il réside, qui y voit, qu'on le veuille ou pas, une sortie. Ce sont des ressources qui sont renvoyées ailleurs, dans un ailleurs que la plupart du temps, ces gens-là, eux, ils ne connaissent pas bien. Et je crois qu'au niveau local, les gens ont d'autres préoccupations par rapport, des préoccupations prioritaires par rapport à la diaspora. Aujourd'hui, quand vous regardez la diaspora, la première question que les gens se posent, quel est son statut juridique? Dans beaucoup de pays, la diaspora, il n'y a pas de double nationalité, par exemple, ou il n'y a pas de multinationalité. Beaucoup de diasporas ont tendance à revendiquer la double nationalité ou la multinationalité, mais oublient très souvent ce qui tourne autour. Et beaucoup de peuples, dans beaucoup de pays également, les locaux, soit rejettent systématiquement cette double nationalité sans se poser s'il y avait des avantages ou pas, ou alors acceptent promptement cette double nationalité sans se demander quels en sont les inconvénients. La chose la plus difficile est de savoir au fond quelle est la perception que les gens ont du lien qui les lie à leur pays d'origine ou au pays d'origine de leurs parents. Parce que la question de la double nationalité, par exemple, pose la question, c'est pas une question individuelle, c'est-à-dire que les individus ont une double nationalité ou pas. C'est une question de double, de convention entre les pays, mais qui vont poser des questions beaucoup plus complexes, comme celle, par exemple, de la double fiscalité. Parce que ce qui fait de vous un citoyen, ce qui vous donne la nationalité d'un pays, ce n'est pas le fait que vous vous appeliez Yam qui fait de vous un Camerounais. C'est le fait que vous payez vos impôts à l'État du Cameroun. Parce que ce qui définit stricto sensu et in fine la citoyenneté, la nationalité, c'est le fait de la contribution aux charges publiques. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il suffit d'être né quelque part, alors non. C'est la contribution aux charges publiques qui vous définit comme étant, en dernier ressort, membre de cette collectivité. Donc quand la diaspora dit « nous voulons la double nationalité », ça veut dire que la diaspora veut contribuer aux charges publiques. C'est-à-dire qu'on va mettre donc des impôts qu'ils doivent payer exactement comme les autres citoyens. Ça crée des conventions de double imposition, de double fiscalité entre chaque pays et tous les autres pays dans lesquels se trouve la diaspora de ces pays-là. Autre chose, ça c'est le statut juridique et ça demande une réflexion extrêmement importante. Mais j'ai tendance à rappeler aux gens que Jerry Yang, vous savez certainement qui c'est, oui, le cofondateur de Yahoo, il n'est pas chinois. Il n'a pas la nationalité chinoise. Il est américain. Mais ce qui est le plus important, c'est les actes. Ce n'est pas tellement ce que les gens disent qui importe, c'est leurs actes qu'ils posent. Sergey Brin, vous savez certainement qui c'est, cofondateur de Google, il n'est pas russe. Il est américain, mais ses actes parlent suffisamment pour la Russie. Donc, je pense que notre diaspora et les locaux eux-mêmes, ils ont un problème de perception. Il s'agit aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce que nous voulons faire de la diaspora. Sur le statut juridique, sur le plan économique, je pense qu'en réalité, le problème de la diaspora, sur ce plan-là, c'est qu'on l'a lié à l'argent et c'est aussi son comportement très souvent quand il se retrouve dans les pays d'origine. Aller dans n'importe quel pays africain, toute la diaspora se comporte généralement de la même façon. En tout cas, celle qui veut se faire voir, comme on dit. Mais vous avez des diasporas, des gens, des membres de la diaspora qui sont d'une discrétion incroyable, qui vivent comme tout le monde quand ils sont là. Mais les autres, ils font beaucoup de bruit et donc finalement, c'est eux qui provoquent l'idée que les gens leur collent l'étiquette de caisse, hein, de caisse ambulante. Alors que ce n'est pas souvent le cas, alors qu'ils tirent souvent le diable par la queue, alors qu'ils vivent comme tout le monde. Il n'y a pas un pays où on cueille l'argent. Dans tous les pays du monde, les gens doivent travailler. Et cette diaspora, qui est défavorisée par beaucoup de facteurs, ce sont des étrangers, ce sont des noirs qui sont victimes de racisme. Très souvent, ils n'ont pas nécessairement la formation la meilleure dans les pays d'accueil, mais et ils doivent donc travailler très dur pour pouvoir s'en sortir. Et nous n'avons pas toujours la perception qu'il faut de les plutôt de les soutenir, mais on a plutôt la perception d'attendre beaucoup d'eux. Et je crois que nous leur demandons parfois un peu trop sur le plan moral. Nous ne pouvons pas exiger de cette diaspora qu'elle soit exemplaire lorsque nous-mêmes, nos pays sont gangrénés par la corruption, sont gangrénés par le laxisme, les lourdeurs, la bureaucratie, les lourdeurs administratives et l'opacité, par exemple en matière électorale, en matière de prise de décisions administratives. Et du coup, je crois que cette diaspora
nous avons besoin de nous asseoir, d'avoir des institutions qui s'en occupent, quelles qu'elles soient. On n'est pas obligé d'accorder les doubles nationalités ou tout ce qu'on veut si les gens estiment que ce n'est pas nécessaire, mais on a l'obligation d'avoir des institutions qui adressent les problèmes de cette diaspora et qui facilitent ses actions dans le cadre de sa relation avec sa terre d'origine, de mon point de vue. Président Banakani, on va aller pas à pas en tout cas sur ce sujet. 65 milliards de dollars, en tout cas c'est le montant largement, il faut le dire comme ça, au-dessus de l'aide au développement public, hein, donnée d'ailleurs par des pays avancés. On parle bien sûr des pays occidentaux comme la France, encore les États-Unis, la Grande-Bretagne. Peut-on aujourd'hui compter sur la diaspora qui rapporte plus d'argent que l'aide publique justement qui nous vient de l'étranger? Je crois qu'il y a un problème de terminologie avec lequel il faut être intransigeant. Vous dites pays avancés. Je ne peux pas accepter si un plateau où je me trouve qu'on parle de pays avancés. Ça ne signifie rien du tout. Il faut avancer par rapport à quoi? Qu'on soit sérieux, ce sont des termes qui ont contribué à détruire le monde, à nous inscrire dans des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui, où un groupe de gens dans le monde décide d'assassiner, de diminuer la population mondiale et d'imposer aux gens des vaccins visant enlever tout ce qu'ils ont d'humain. Et nous sommes assis ici comme ça, très sereins, alors qu'en réalité, c'est terrible ce qui se prépare contre nous. Terrible! Et ceux qui sont en première ligne, c'est ce que vous appelez pays avancés. Je ne sais pas quelle avancée peut être constituée par le fait d'avoir pour projet civilisationnel l'élimination des autres. L'élimination de l'espèce humaine. C'est une barbarie qui n'a pas de nom. Bon, deuxièmement, pour revenir à votre question, je crois que le docteur Yama a posé le débat. Peut-être faudra qu'on comprenne bien ce qu'il a dit, parce que quand on dit diaspora chez nous, ça renvoie à l'argent. Ça renvoie à l'idée qu'ils ont réussi. Ce sont des clichés qui sont installés dans nos têtes. C'est installé là. Que celui qui est à l'extérieur de nos pays est forcément supérieur, socialement parlant, pour ne pas citer d'autres aspects, c'est un surhomme qui a réussi. Ceux qui sont restés, généralement, sont en dessous de ceux qui sont morts. Les sous-hommes. C'est installé là-dedans. C'est faux. Absolument faux. Vraiment, à tout point de vue, c'est faux. D'abord, sur le principe de ce que réussir est forcément relatif. La réussite est forcément relative. Je n'ai pas les mêmes ambitions que vous. Je n'ai pas les mêmes valeurs que vous. Je n'ai pas la même façon de voir mon avenir que vous. Décidez que parce que vous avez de l'argent, ou bien vous avez une fonction socialement prestigieuse, tout ça réuni ferait de vous que quelqu'un qui a réussi. Il n'y a qu'en Afrique où on entend les choses comme ça. C'est parce que nous sommes aliénés que nous adoptons, n'est-ce pas, cette façon de voir la vie et les rapports sociaux. Donc, il y a des trajectoires, il y a des diasporas. C'est-à-dire, l'histoire de la diaspora ne renvoie pas à ce qu'on vit aujourd'hui forcément. La diaspora, ça peut être des gens qui sont allés à l'extérieur pour fuir la persécution. On peut voir dans le récit biblique la diaspora juive. Il y a la diaspora, par exemple, le pays du musicien qui vient d'Aznavour, les Arméniens. Les Arméniens. Il y a la diaspora culte. Il y a beaucoup de diaspora dans le monde. Il y a la diaspora qui va chercher le savoir dans un contexte précis. Si on voit notre diaspora post-indépendance, après l'indépendance, les premières diasporas, c'était des gens qui allaient donner la main d'œuvre aux pays occidentaux qui venaient de sortir de la guerre. Ils avaient un besoin extraordinaire de main-d'œuvre. Il fallait importer la main-d'œuvre. Oui. Ça a créé une diaspora. Vous avez dans le même champ des diasporas qui sont partis pour aller étudier. Et nous avons une bonne vague de diasporas, quand on voit l'histoire du PC, qui sont là à l'extérieur pour étudier. Et qui ont pu à un moment donné associer les études et le militantisme. Mais vous avez depuis les années 90, disons, depuis la crise économique, et si on couple à ça les mouvements de revendication démocratique, entre guillemets, vous avez une diaspora qui est une diaspora d'exilés économiques. Et pour lesquels l'additif d'exilé politique n'est qu'un masque. Donc, toutes ces trajectoires ne signifient pas les mêmes choses. Ça ne renvoie pas aux mêmes rêves, ça ne renvoie pas à des mêmes fonctions d'utilité dans leur pays d'origine, dans leur pays d'accueil. Ça ne renvoie pas aux mêmes inscriptions dans les combats de leur temps, vis-à-vis de leur peuple, et même vis-à-vis des problèmes mondiaux.
Donc il faut bien qu'on situe dans l'idée générale de diaspora qu'on puisse bien sédimenter les différents groupes qui s'y inscrivent, même si le label générique, nous sommes d'accord là-dessus. Et tout ça réjaillit donc sur la question de ce que vous appelez le 65 milliards de dollars. Quand c'est médiatiquement porté comme on fait là, on ne voit pas, on ne fait pas une analyse profonde pour voir si vraiment ça fait développer ou pas. Dépanner la famille qui est restée sur place, envoyer de l'argent, ça permet de tenir, de survivre. Ça ne développe pas. Ça ne change rien de fondamental, non seulement dans nos rapports avec l'Occident, même dans la situation, dans notre capacité à transformer notre quotidien. Puisque cette aide-là s'inscrivent dans des paradigmes généraux qui reproduisent le fait que les gens fuient leur pays pour des besoins économiques. Donc ça reproduit ça. Tout à l'heure, l'auteur Yann Timba a dit une chose. Globalement, c'est juste ce qu'il a dit. Mais il y a même beaucoup de familles parentales qui contribuent à entretenir l'idée que quand on va en Europe, on a réussi. Ne nous mentons pas. Quand vous êtes parti de chez vous, quand vous voulez partir à l'extérieur, des mamans, des parents, des associations de famille cotisent. Justement, on cotise pas avoir de grosses sommes, de grosses sommes d'argent d'ailleurs. Avec l'obligation. C'est-à-dire, on ne veut même pas entendre. Dès que tu arrives, il faut rembourser. Quand tu pars, tu as l'espoir de la famille. On ne veut même pas savoir ce que tu fais là-bas. On ne veut même pas savoir, une fois arrivé sur place, ce que tu vas devenir. Non, tu as l'obligation de réussir. On a cotisé, tu dois rembourser la réussite de la famille. Donc c'est pour dire que dans les années 80-90, en montant jusqu'à aujourd'hui, l'idée de l'exil, de la diaspora, du départ à l'étranger, ou bien l'idée de la situation de diaspora a beaucoup changé. Pour les pays africains en général aujourd'hui, celle qui domine, c'est celle que je suis en train d'écrire là. C'est-à-dire que dans les familles, dans la tête des familles africaines, dans la tête de la plupart des gens, quand tu es allé de l'autre côté, tu as réussi. Je vais prendre mon cas personnel. Je suis allé en Italie, il y a des années aujourd'hui, dans le cadre d'une ONG que peut-être Yann doit connaître, le Centre d'Orientamento et d'Éducation. C'est une grande ONG italienne dont le promoteur est décédé. C'était un évêque très proche du pape Jean-Paul II. Il a des structures dans toute la, pratiquement dans beaucoup de pays africains, au Cameroun. D'ailleurs, notre parent à l'époque, c'était Christian, le cardinal Toumi. Oui. Dans beaucoup de pays africains. Alors, je constate que j'arrive que c'est une mafia pas possible. Pour ne pas tout dire, par respect pour l'institution catholique, peut-être il y a les catholiques ici. Donc, je décide, conformément à mon tempérament, de dire niet et de rentrer. Je ne peux pas savoir ce que j'ai subi quand je suis rentré. Quand j'y pensais même fort, je ne peux pas savoir ce que j'ai subi de la part de ma famille, de la part de tout l'entourage dans le quartier. J'ai été rejeté. C'est plus tard, eu égard des échos qui revenaient de ce que subissait et de ce qui était devenu, ce qui était resté dans cette dynamique-là, que j'ai subi un début de réhabilitation. C'était terrible. Donc vous imaginez, ce n'est pas une affaire à prendre à l'échelle, vous imaginez dans quoi nous trouvons. Donc, c'est bien le transfert, personne ne va nier l'importance des transferts pour la survie, pour tenir. Mais tenir dans quoi? Pas pour le développement en tout cas, comme vous l'avez bien si bien pas, dit. Pas pour le développement. Oui. Alors, donc, le docteur Yama a soulevé la question de la double nationalité. Oui. D'abord, moi j'ai un principe. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir deux pays. Ça me trouble encore, mais je comprends pas, on peut m'expliquer, hein. De manière fondamentale. Oui, bien sûr, nous connaissons tout ce qui se passe. Nous connaissons la situation dans laquelle beaucoup de nos frères se trouvent. Mais je pense que c'est lié de manière fondamentale à la faiblesse de nos pays. Vous ne verrez jamais un Américain décider de prendre la nationalité française. Non, je veux dire, même française, déjà, c'est compliqué. C'est le contexte qui se produit. C'est-à-dire, il est très rare de voir les habitants des pays occidentaux venir chez nous et dire qu'ils prennent la nationalité. C'est-à-dire, cette rage, cette bagarre d'acquérir à tout prix cette double nationalité se fait d'une manière univoque. Et il y a un problème. Parce qu'on va dire, ok, non, ces pays-là, entre guillemets, sont développés. Mais ça pose un problème fondamental. Quand est-ce que nous avons développé nos pays? C'est un défi c'est le défi de tous. Or, généralement, lorsque nos frères arrivent à l'étranger, ils oublient, d'ailleurs ils n'ont pas le temps,
au regard de la situation qu'ils vivent, la pression économique, la pression politique, la pression psychologique qui est terrible sur eux. Ils n'ont pas le temps de se soucier des défis géopolitiques qui engagent leur pays. Et du coup, ils sont généralement récupérés dans la dynamique géopolitique pour déstabiliser leur pays. La France est championne dans ces choses-là. Les États-Unis sont champions dans tout sens, dans ces choses-là. L'art d'utiliser Diaspora, on l'a vu ça avec Castro, on a vu ça avec beaucoup de pays. On voit ça aujourd'hui avec ce qu'on fait avec le Venezuela. Voilà le scandale qui est devant la table du monde entier. Bon, on fait semblant de ne pas voir. On fait semblant de ne pas savoir. De pas avec voir. Deux Américains qui ont été arrêtés dans l'invasion, justement. Il y a même plus grave, c'est qu'un président, un pays se lève et met la tête d'un président après. C'est quoi? Vous appelez ça pays développé? Des sauvageons comme ça. Ils se lèvent le matin, ils mettent la tête d'un président après. Et quelques temps après, c'est un commando qui va pour commettre le pire là-bas. Qu'on arrête, la même personne dit non vraiment. Je ne les connais pas. Et après, il change. Il dit vraiment, nous on ne va pas laisser deux Américains à l'étranger, on va discuter avec Maduro. Donc il y a quand même des comportements. Or, généralement, quand on a des projets géopolitiques contre un pays, il faut utiliser sa diaspora contre le pays. C'est aussi vieux que le monde. Mais généralement, ceux qui se laissent instrumentaliser, généralement, souvent n'ont pas le choix, au regard de leurs conditions dans le pays d'accueil. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre, n'est-ce pas, la problématique de la diaspora. Pour terminer, je dirais qu'il va falloir que nos pays, que nous réfléchissions à intégrer la diaspora comme un atout. On n'a pas le choix, comme un atout, tout en évitant les écueils, tout en évitant les dynamiques géopolitiques qui les instrumentalisent. Nos pays n'ont pas d'autre choix que de réfléchir profondément comment faire pour transformer ce qui peut être désavantageux dans certains aspects en une opportunité pour aider nos pays à se relever. Albert Anatola, ici, vous avez bien suivi le président Badakhani. Jusqu'à preuve de compte, on a l'impression souvent que cette diaspora qui est utilisée justement par l'Occident pour déstabiliser les pays africains, ce sont ceux-là même qui vivent économiquement parlant, dans une désuétude, on peut même pas dire une pauvreté extrême, qui choisissent justement de venir déstabiliser leur pays en déclarant haut et fort que leur pays n'ont rien fait pour eux. Oui, disons que en tant que journaliste, j'ai été maintes fois sollicité pour faire des dos de papier. Vous ne voulez pas dire plus? Non, pour faire des dos de papier. Pour justement justifier que M. Yam était un exilé politique. Au Canada, M. Yam était un exilé politique en France. Non, vous voulez pas sourire, vous parlez pas de Non, je pense que non. M. Yam est camerounais. Je suis au Cameroun. Il est au Cameroun. Il n'a jamais bougé. Il est là. La bagarre. Peut-être c'est un autre Yam. C'était un exemple. Mais ce n'est pas un mauvais exemple. Vous allez comprendre le pourquoi tout à l'heure. Et très souvent, avec des propositions indécentes à la clé. C'est-à-dire, et il y a des journalistes qui le font. C'est-à-dire, quelqu'un, il part du Cameroun pour des raisons alimentaires ou économiques. Il passe par le désert ou bien par la mer. Et quand il arrive, il doit pouvoir justifier son statut. De ce côté-là, il faut absolument justifier justement, apporter des arguments pertinent par rapport au statut qu'il voudrait qu'il ait sollicité, c'est-à-dire d'exiler politique. Il faut donc, pour cela, envoyer le papier, comme ils disent, avec les photos, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça, c'est le premier volet de la question de diaspora, parce qu'il faut quand même savoir qui est diaspora, parce qu'il ne faut pas confondre ce qu'ils vont pour les raisons alimentaires et qui glissent dans ce genre d'attitude qu'ils essaient de décrire ici, avec ceux qui sont partis pour des raisons scolaire, universitaire, tout ce que vous voulez, académique. Et sans oublier académique, ceux qui font dans la recherche d'ailleurs. Tout à fait. Et le fonctionnariat international. Tout à fait. Donc il faut donc justement éviter de faire justement cette confusion-là. Je voudrais un peu contredire Yam. C'est vrai qu'il va me contredire par la suite. La ville de Kaï au Mali a été construite, n'est-ce pas, par la diaspora malienne. Et depuis que nous sommes dans la crise sanitaire, les transferts de fonds en faveur du Mali ont baissé et ça a impacté l'économie et principalement leur contribution au niveau du budget national parce que c'est immense. Alors, est-ce que la perception que nous avons sur cette table par rapport aux diasporas nous renvoie automatiquement et seulement vers l'Europe ou l'Occident? Parce qu'il y a aussi une diaspora à l'intérieur des continents, des pays africains. C'est-à-dire que
Vous avez des Nigériens qui viennent au Cameroun et qui envoient un flux d'argent, qui engagent des flux financiers. On n'en parle pas du tout. Mais très souvent, le parallèle qu'on voudrait absolument établir seulement cette diaspora, c'est ces gens qui vont en Europe. Non, ce n'est pas forcément ça. Donc, je pense que... Et puis, cette diaspora que vous décrivez, M. Steve, c'est cette diaspora que les médias français aiment. Moi, j'étais, dans le cadre de mes activités professionnelles, sollicité par un média français qui m'avait absolument assujetti à une ligne éditoriale qui était contraire à la réalité. C'est-à-dire qu'on vous donne, on vous commande des papiers qui sont orientés. Il faut surtout chercher les thématiques qui portent sur le VIH/SIDA, sur la famine, sur la guerre, sur la corruption, bref, tout ce qui est noir, c'est-à-dire le bashing. J'ai dû rompre mon contrat avec ces médias français parce que je ne pouvais pas, il n'y avait pas que ça qu'il fallait présenter à l'euro, en tout cas, à l'opinion française, non. Il y a aussi quelque chose qui est plus, il y a des éléments qui sont pertinents. Il y a aussi notre visage qui est beau, qui concerne l'Afrique, qui concerne certains pays africains, il n'y avait pas que le sida. Donc bref, c'est dans cette diaspora alimentaire-là, si il faut l'appeler diaspora, qui est instrumentalisée, pas seulement par les médias français, pas seulement par les leaders d'opinion français, mais tout simplement aussi par les leaders d'opinion même sur place ici. Pourquoi? Parce que on le fait croire que non, si vous avez traversé la mer, vous avez risqué votre vie dans le désert, c'est parce qu'il y a la malgouvernance chez vous. Et c'est les dirigeants actuels qui sont responsables. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que, faut pas de ces diasporas alimentaires, comment on peut se cotiser 3 millions, voire 4, pour aller souffrir de l'autre côté. Alors qu'on a la possibilité de pouvoir faire une activité ici. On va vous opposer un argumentaire. Ou d'un pays qui est proche. Alors, voilà, on va vous dire que non, c'est plus facile là-bas qu'ici. Bon, allez donc comprendre pourquoi. Quelques temps après, vous voyez, en Europe, lorsque vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de lire vos messages. Vous n'avez pas le temps de passer sur les réseaux sociaux parce que vous êtes occupé. Partout, hein. Partout, même en Alors, Afrique, moi, je pense que c'est cette diaspora justement-là qui est instrumentalisée. Il faut l'appeler diaspora, ça je précise. Maintenant, vous avez si jamais il faut l'appeler diaspora. Absolument. Oui. Parce que, à mon sens, ce n'est pas une diaspora. Maintenant, vous avez donc les intellectuels, c'est-à-dire qui travaillent quelquefois dans les organisations internationales, qui sont dans la mouvance de la fuite des cerveaux que l'Afrique a connue dans les années 90. Ça, c'est voilà une diaspora. Et je pense que cette diaspora-là qui nous intéresse, qui doit nous intéresser, parce que tout à l'heure, il y a évoqué la problématique de la double nationalité ou de la multinationalité. La plupart de ceux qui nous dirigent ont plusieurs nationalités, ça vous le savez. C'est pas un secret de polichinelle. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que même ceux qui nous dirigent, nous gouvernent, aient la double nationalité? Allez, comprendre. Ça veut donc tout simplement dire que ça nous renvoie aux éléments culturels, je pense. C'est-à-dire que c'est ce qui vient de l'autre côté qui est bien. La preuve, l'argent qui détourne, ils n'investissent pas ici. Ils vont le garder là-bas. Quelquefois, ils vont acheter des biens là-bas. Hein, ils vont investir là-bas. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, moi, je pense qu'il faut donc questionner les éléments culturels, par rapport, pas seulement, mais politiques aussi, par rapport à cette diaspora-là. Je parle de la diaspora intellectuelle. Eric Pepin-Bika, jusqu'à peu de content, on avait reçu d'ailleurs sur ce plateau hein, un jeune homme qui était parti, justement, on le dit, au Cameroun, en aventure. Entre guillemets, c'est ce qu'on dit souvent. Et sa famille lui avait remis la somme de 800 000 francs. Il est parti caler en Libye, où il est devenu un esclave. Finalement, avec la grâce de Dieu, disons-le comme ça, le gouvernement camerounais les a rapatriés sur le sol camerounais. Ce genre de personnes donc, qui passent par ces chemins les plus tortueux pour arriver en Occident, peut-on les appeler justement diaspora? Non, ils entrent dans ce qu'on appelle diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, tout simplement. Sauf que le président a fait... une étude de classification des diasporas, parce qu'il appelle la diaspora et des diasporas, parce qu'elle est plurielle, il faut le dire également. Et elle entre dans ce qu'on appelle en géographie économique le concept d'arme drain et de brain drain, c'est-à-dire une diaspora sélective, constituée des chercheurs, des intellectuels,
globalement entre ce qu'on appelle l'âme-drain. Là, vous nous entrez justement dans ce que Sarkozy appelle l'immigration choisie. Voilà. Et maintenant, le brain-drain, c'est ce qu'on peut dire de manière triviale, le vrac, c'est-à-dire les enfants qui ont de la peine à s'en sortir. Chez eux, mais qui vont également de l'autre côté, qui ne vont pas également toujours s'en sortir, on a souvent l'impression. Voilà. Parce que l'ailleurs aussi, c'est un inconnu. Mais l'ailleurs aussi peut être une source de vitalité ou alors de revitalité. Et il faut pas oublier que dans le contexte économique actuel, l'être humain a cette capacité-là de quitter d'un endroit à un autre pour pouvoir s'auto-gérer. Ça, c'est naturel, c'est humain. Et je pense que si on trace un peu du style de l'humanité, on se rendra compte forcément qu'il n'y a qu'une seule race, la race noire, qui s'est dispersée à travers le monde, notamment dans la recherche peut-être des conditions de vie meilleures, et qui, par le phénomène des effets climatiques, a pu changer de peau et s'est installé maintenant en rouge, en noir, en blanc, ainsi de suite. Donc l'autre humain a cette facilité de se déplacer d'un endroit à un autre. C'est la raison pour laquelle il y a eu un fameux débat d'autochtones halogènes. Parce qu'on est autochtone de par les vestiges des parents. Et on est halogène parce qu'on est quitté d'un endroit. Alors les parents seraient quittés d'un endroit pour un autre pour rechercher les conditions de vie meilleures. Maintenant, si on revient un peu sur le contexte de notre diaspora avec sa contribution au développement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la diaspora, qu'elle soit arménienne, turque, américaine, fait peur. Elle fait peur au niveau des institutions qui sont restées locales. Parce qu'elle est toujours associée à ce qui peut être des éléments qui s'apparentent aux éléments de déstabilisation. Elle serait enclin avec des réseaux mafieux, ainsi de suite. Mais n'oublions pas que nos statuts juridiques, comme le rappelait le docteur Yam tout à l'heure, sont de nature à exclure ce type de personnes qui sont parties du territoire. La loi, par exemple, de 1968, qui exclut totalement tous ceux qui sont sortis du pays. Parce que là, on revient avec la double nationalité. Je suis désolé de dire qu'un Bikaï ne sera jamais français. Même s'il ne contribue pas, il ne contribue pas au Cameroun. Il restera un Camerounais. Parce qu'en réalité, les vestiges de ses parents sont au Cameroun et non en France. La première immigration de ses aïeux a lieu au Cameroun et non en France. Donc, Bikaï peut se retrouver en France pour chercher le pain quotidien, mais ça n'aliène pas le fait qu'il soit originaire du Cameroun. Donc c'est à nous de maintenant de mettre les mécanismes nécessaires pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Et il ne faut pas oublier, parce que le docteur Yamla s'est bien présenté tout à l'heure, et pas lorsqu'on parle de diaspora, on fait allusion à l'argent. Mais moi, je vais plus loin. Lorsqu'on parle de diaspora, on fait allusion à une sorte de vache à lait dans nos familles. Quand on a un malheur, on a une joie, prioritairement, on pense à nos frères qui sont de l'autre côté. Quand ils nous envoient 1 500 €, ça fait 1 million aussi. On reçoit peut-être 500 personnes hein, avec 1 million. Mais en même temps, c'est qu'on ne les intègre pas toujours dans la prise de décision du fonctionnement de la famille. Ils n'interviennent que lorsqu'il faut renflouer les caisses de l'État. Ou alors les caisses de la famille pour gérer les situations. Précision, les caisses de la famille, pas de l'État. Non, je me suis repris. Pour gérer les situations ponctuelles. Mais la même chose peut être vécue au niveau de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, pour parler du Cameroun, contribue à hauteur de 400 à 500 milliards de francs CFA. C'est pas petit. Justement, c'est que ça ne développe pas, mais ça aide à préserver les vies. Ça aide à sauver les vies. Ça aide à construire les vies. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'extension urbaine de la ville de Douala, elle s'est faite entre 2006 et aujourd'hui. La plupart de cette extension urbaine repose sur les transferts d'argent. Il ne faut pas qu'on se le leurre. On peut avoir d'autres paramètres, mais la plupart, cette extension urbaine est provoquée et alimentée par les transferts d'argent de la diaspora. Donc, on ne peut pas, de manière péremptoire, dire que elle ne développe pas. Parce qu'en réalité, selon Cheikh Hamidou Kan, le développement pour l'Africain est une question d'équilibre. On veut juste être équilibré. Ce n'est pas une question de masse pour nous. Donc, pour moi, la diaspora africaine... Cheikh Hamidou Kan qui a considéré que Samba Diallo a fait justement une aventure ambiguë. Il ne faut pas également l'oublier. Voilà. Donc, pour moi, cette diaspora africaine est victime parfois de la mauvaise foi de ceux qui sont restés sur le territoire. Et Albert le rappelait tout à l'heure. Parfois, ceux qui... qui votent les lois, qui manipulent les lois, eux aussi sont dans la situation d'une diaspora. Parce qu'on a une diaspora extérieure et parallèlement, on a une diaspora intérieure qui ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, le monde est un et on ne peut rien faire si c'est qu'on ne tient pas compte des autres. Et je le disais sur ce plateau, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle une guerre biologique. Parce que moi, je sors des concepts épidémie, pandémie, nous sommes dans une guerre biologique. Et il se trouve que cette guerre a déstabilisé tous les systèmes sanitaires du monde. Le nôtre, il était déjà précaire avant l'arrivée de cette guerre-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'aurais été conseiller du président de la République que j'aurais mis un fonds
et qu'on serait parti prendre nos enfants qui sont de l'autre côté pour venir renforcer le corps médical afin de juguler cette guerre. Parce qu'il y a aussi beaucoup... Devait avoir une autre question. Qui va les laisser? Est-ce que les autres vont les laisser partir? Je ne sais pas, mais c'est un problème de volontariat. Quand Bika, on l'appelle au Cameroun, il doit venir pour travailler pour le Cameroun. Dans cette situation-là, beaucoup, actuellement, en Europe, veulent venir donner un coup de main au système sanitaire camerounais. Mais, parfois, c'est très loin de pouvoir poser ce type de réflexion sur la table des décideurs. Donc, il faut compter sur notre diaspora. Qu'elle soit plurielle, qu'elle soit nuisible, ainsi de suite, ce sont nos enfants. Il faut savoir les encadrer et les intégrer dans le processus de développement de nos pays. Docteur Yamon parle de cette diaspora plurielle, cette diaspora nuisible. Insistons d'ailleurs sur cette diaspora qui, à la limite, hein, parfois fait peur justement aux pays africains. On a vu le cas d'ailleurs avec ceux qui avaient agressé d'ailleurs les membres de la famille Bongo du côté de la France. On a vu le cas de ceux des Camerounais qui sont partis saccager d'ailleurs hein, les ambassades en France et surtout en Allemagne. Parfois, les Camerounais les perçoivent comme étant des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Il faut qu'on replace les choses un peu telles qu'elles sont. Oui. Je répète, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Bikaï qu'on est Camerounais. Être Camerounais, ce n'est pas votre nom. Ce n'est pas le fait que vous avez vos parents ont un village, vous avez un village au Cameroun. Non. Être Camerounais, c'est contribuer aux charges de la collectivité camerounaise et avoir une carte d'identité nationale camerounaise. Le jour où vous n'avez plus cette carte-là, parce que vous avez un passeport étranger, vous n'êtes plus Camerounais. C'est aussi simple que ça. Lorsque nous réfléchissons... Et là, donc, c'est la loi de 1968, non? Bien sûr, il y a une loi. C'est pour ça que ces débats, j'ai commencé ma première intervention en parlant du cadre juridique. Mm-hmm. Parce que tout est basé là-dessus. Je suis d'accord. Donc maintenant, à partir du moment où on décide de changer de nationalité, parce que l'un des gros problèmes de la diaspora, généralement africaine, c'est qu'une grande partie, pour des raisons qui leur sont propres. Je vais pas rentrer dans les différents types de catégories types de raisons, mais il y en a plusieurs et on le sait. Ça peut être alimentaire, ça peut être politique, ça peut être simplement parce que certaines personnes ont été retournées et sont pour devenir des espions. Parce que vous avez des centres d'études et de recherche qui permettent de comprendre comment fonctionnent vos pays. Et lorsque les gens sont impliqués dans certains types de programmes, on les oblige à changer de nationalité. Parfois, pour accéder à certains types de formations, on vous oblige à changer de nationalité. Quelquefois, c'est simplement parce que les gens partis d'ici veulent, comme il a ici le veulent disait, des exilés politiques. Politiques, vous changez de nationalité. Beaucoup changent de nationalité. Beaucoup, parfois, ne s'impliquent pas nécessairement dans les processus politiques de leur pays. Lorsque vous avez un pays comme le Cameroun qui revendique 5 millions de membres de la diaspora et vous avez 16 000 inscrits sur les listes électorales, il faut être sérieux. Ces gens-là, comment pour être 5 millions, il n'y a que 16 000 qui disent qu'ils vont voter? À peu près 2500 qui votent. Oui, en fait, oui, voilà. Enfin, vous êtes un acteur politique. Au bout du compte, il y a à peine 2500 qui ont voté. Donc, ce qui se passe, c'est que une grande partie de cette diaspora, en réalité, n'a plus la nationalité africaine. Une partie n'a plus les nationalités des pays africains. Ça, c'est la chose la plus importante. Et quand vous perdez la nationalité d'un pays, vous n'avez rien à dire relativement à ce pays. Vous pouvez être intéressé par ce pays, vouloir investir, vouloir y voyager, vouloir y aller faire du tourisme, vouloir contribuer au développement de ce pays, vous pouvez le faire. Mais les autres éléments techniques, quand on analyse la diaspora, sont que vous avez remarqué que beaucoup de diasporas, particulièrement celles des pays d'Afrique centrale, d'Afrique francophone, d'Afrique centrale, sont des diasporas qui inondent leur pays, par exemple, de brocante. La brocante, c'est les déchets, c'est les ordures que les gens trient, etc., et renvoient dans leur pays. Ça ne contribue pas à développer un pays, ça bloque le développement de ce pays-là. Lorsque vous avez essentiellement, lorsque dans un pays, vous avez 80% des réfrigérateurs qui sont des réfrigérateurs récupérés dans des décharges, dans des poubelles, vous ne contribuez pas à aider ce pays à se développer. Parce que il faut que ce pays arrive à fabriquer des réfrigérateurs un jour, mais vous vous l'inondez de choses qui datent de Mathusalem et qui sont en mauvais état. Donc, ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle tout à l'heure, Aïssi prenait la ville de Kaes. Elle existe avant la diaspora actuelle. Il ne faut pas du tout qu'on donne l'impression que les transferts d'argent de la diaspora ont construit une ville. Elle n'a rien construit. Cette ville existait, a toujours existé. Oui. C'est d'ailleurs une ville historique. Donc ce qui se passe, on ne peut pas le nier. Il n'a pas été question ici de nier l'importance de 65 milliards de dollars. Mais il a été question de dire que coller à la diaspora, à l'argent tout le temps, c'est oublier toutes les autres bonnes choses qu'elle fait en réalité. Parce que la diaspora peut ne pas investir dans nos pays,
peut ne rien faire directement dans nos pays. Mais vous imaginez le capital symbolique de Salif Keïta, de Manu Dibango, des Tofis, etc. C'est extrêmement important. Le problème, c'est comment nous gérons ce capital symbolique. À partir du moment où on ne fait rien, à partir du moment où on estime que les gens comme Etofis, on ne sait pas comment les utiliser, c'est ça le problème. J'aurais le pouvoir d'utiliser un bonhomme comme celui-là que le Cameroun lèverait des milliards de dollars chaque année grâce simplement au nom de ce gars-là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas utiliser ça chez nous. Or, nous avons comme ça de la diaspora utile qui n'est pas exploitée. Nous avons de l'autre côté, regardez les universités dans le monde. Nous avons, en termes de knowledge management, ça c'est justement des champs qu'il faut investir. Le knowledge management, c'est le fait comment est-ce qu'on exploite les capacités, les compétences disponibles pour un pays à l'intérieur comme à l'extérieur pour pouvoir adresser un certain nombre de problématiques qui se posent à ce pays. Vous imaginez le nombre de professeurs d'université retraités, d'ingénieurs retraités, de managers retraités, de médecins retraités, d'infirmiers retraités, etc. Et c'est de techniciens retraités de notre diaspora qui vivent encore, qui vivent hors de nos pays. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne les exploite pas. Alors que nous pourrions justement les intégrer dans nos programmes afin qu'ils soient utiles, afin qu'ils nous apportent quelque chose, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la santé. Quand tout à l'heure il disait qu'on peut faire venir des gens au camp, ce n'est pas forcément ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent ont des contrats, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais il y a ceux qui sont retraités qu'on peut par exemple aller prendre. Ça veut dire que l'idée est bonne. Oui, c'est-à-dire qu'on va, mais bien sûr, on peut aller les chercher et ils viennent être intégrés. On va dire que l'idée n'était pas bonne. Ils viennent être intégrés dans les besoins, dans la résolution des besoins que nous avons. Et il y a d'autres choses relativement à cette diaspora qui sont un peu délicates. J'ai parlé par exemple de la double fiscalité, c'est extrêmement important. Il faut qu'on tienne compte de cela. Il y a le fait que, par exemple, sur le plan politique, c'est là où ça commence à être extrêmement glissant. Tout à l'heure, vous disiez que ceux que nous dirigent ont plusieurs nationalités. Reste encore à le vérifier. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique. Ce que je constate, c'est qu'on a une loi qui interdit cela et qu'il y a de grands pays dans le monde qui n'ont pas besoin de double nationalité. Sans compter le sens dans lequel les gens revendiquent souvent les deuxièmes nationalités. Là, je crois que ça a été développé par Bandakani, je ne vais pas rentrer dedans. Mais vous prenez des pays comme la Chine, le Japon. Les pays comme le Japon n'ont pas de double nationalité ou la Russie. Pourquoi? Pour des raisons très souvent de sécurité nationale. De sécurité nationale. C'est quand le fait d'avoir deux pays veut dire que vous avez deux maîtres. Vous servez deux. C'est quelque chose de bizarre. Vous ne pouvez pas. Quand ici sur ce plateau où nous sommes ici, si on commence à demander à chacun, il ne va pas dire je suis Ewondo et Bassa. Il va dire je suis Bassa ou je suis Ewondo. Vous ne pouvez pas être Ewondo et Bassa en même temps. Et donc, il y a un gros problème là-dedans. Encore que vous n'avez pas les mêmes enjeux ni les mêmes interpellations quand vous êtes Ewondo et Bassa, si vous le dites, vous le voyez, mais que d'être américain et camerounais. C'est pour ça que beaucoup, une grande partie de notre diaspora, en fait, est utilisée, même pas de façon brutale. C'est-à-dire qu'on vous demande simplement des études à mener sur vos pays, on vous demande des petits comptes rendus, et vous ne vous en rendez pas compte, mais vous donnez des informations cruciales, sensibles, sur votre pays, à votre deuxième patrie. Et ça, beaucoup de gens pensent que, oh, mais ça a des avantages parce que ça permet de circuler, ça permet de faire. Non, on peut aussi construire son pays sans cela. La Chine s'est construite sans la double nationalité. La Russie s'est relevée sans la double nationalité. Le Japon n'a pas de double nationalité. C'est la deuxième ou la troisième puissance économique dans le monde. Donc, je pense que ce débat n'est pas à ce niveau. La diaspora nuisible à laquelle vous faisiez référence, M. Ngos. Mais ce genre de diaspora naît du fait que vous avez une formation qui n'est pas aboutie. Vous avez des gens qui sont systématiquement dans la confusion entre critiquer les dirigeants de leur pays et critiquer leur pays. Le Paul Biya n'est pas le Cameroun. Le gouvernement du Cameroun n'est pas le Cameroun. Il faut faire attention à ça. Le Cameroun est votre patrie. Paul Biya n'est pas votre patrie. Et vous ne pouvez pas confondre votre patrie et Paul Biya. Vous ne pouvez pas confondre votre gouvernement et Paul Biya. Vous devez critiquer votre gouvernement et vous savez que nous le faisons de façon dure sur ces plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux. Mais critiquer ne veut pas dire être impoli, ne veut pas dire s'attaquer à l'intimité d'une première dame. Ça veut dire que vous n'avez pas de maman, ça veut dire que vous n'avez pas de sœur, ça veut dire que vous n'avez pas de femme.
surtout éduquer. Mais vous manquez, c'est pour ça que j'appelais une éducation qui n'est pas aboutie. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses. Sous le prétexte que vous confondez le gouvernement, le président de la République et la patrie. Vous ne pouvez pas confondre ces choses-là. Si vous les confondez, vous avez une éducation qui n'est pas aboutie. Je ne parle pas de votre instruction. Je ne parle pas des diplômes des gens. Je parle de l'éducation de base. Chez nous, vous savez que la pire des insultes, c'est insulter l'intimité de la mère de quelqu'un. Mais on a vu les gens étaler ce genre de choses parlant de la première dame. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la première dame. De toute façon, elle ne vous connaît même pas. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais vous n'avez pas le droit moral, du point de vue de nos valeurs d'Africains, de parler de son intimité. C'est d'ailleurs, et pire, c'est la femme de quelqu'un qui est peut-être votre père ou votre grand-père. C'est encore pire, de notre point de vue. Mais si vous voulez, vous critiquez vertement le président sur la gestion du pays. Ça, c'est quelque chose de pertinent, ça, c'est quelque chose d'objectif. Et donc, cette diaspora qui confond tout va penser, par exemple, qu'il faut aller casser des ambassades. Cette diaspora qui confond tout va penser, par exemple, que parce que quelqu'un a dit que c'est lui qui a été élu, qui est le président élu, alors vous avez le droit de le soutenir sous toutes les formes parce qu'il l'a dit. Qui a prouvé que c'est lui qui était élu? Qui l'a prouvé? Parce qu'il faut pas du tout... moi, je vais vous dire une chose. Tout le monde sait que mon point de vue officiel est qu'il est anormal de rester au pouvoir au-delà d'une certaine limite. Je ne considère pas cela parce que par un effet purement physique, c'est un effet mécanique. Plus vous restez au pouvoir, plus ça crée de la nielle. Plus vous allez... même, c'est-à-dire qu'involontairement créer autour de vous du clientélisme, du népotisme et alimenter la corruption. C'est un effet... C'est un phénomène qui a été étudié en sciences politiques depuis des siècles. Donc, ça n'a rien de nouveau. Du coup, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit se lever et dire qu'il a été élu par le pays. Même si vous critiquez les institutions qui peuvent être mauvaises, on sait très bien que je suis d'accord que le code électoral, par exemple, chez nous, doit être revu. Mais ce n'est pas une raison pour que tout le monde se lève et dise qu'il est élu. Et ça, lorsque ça aboutit à casser une ambassade, c'est dangereux parce que vous ne voyez peut-être pas les enjeux. Tout à l'heure, Badakani parlait des enjeux globaux et des enjeux géopolitiques. Une ambassade d'un pays A dans un pays B signifie que dans ce pays B, il y a un territoire qui appartient au pays A. Donc vous vous attaquez à cette ambassade-là, vous venez de déclarer en droit international, c'est une déclaration de guerre. Donc, c'est pour ça que les gens qui cassent les ambassades, si, de deux choses l'une, si vous avez la nationalité du pays dans lequel vous vivez ou une nationalité autre que celle du Cameroun, oui, le pays dont vous avez la nationalité vient de déclarer la guerre au Cameroun. C'est une déclaration de guerre officielle, ouverte, que le monde entier voit. Si vous avez la nationalité camerounaise et vous attaquez une ambassade du Cameroun, ça s'appelle du terrorisme selon notre loi. Dans les deux cas, vous êtes passible d'une peine capitale. Donc, il ne faut pas que les gens prennent des risques inutiles et fassent n'importe quoi. Si vous vous faites appeler ambassadeur, dans le cadre de la loi du Cameroun, si vous êtes Camerounais, ça signifie que c'est une usurpation de quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui s'attaque à l'État. Parce que ce titre-là, c'est un titre de l'État. Et vous êtes représentant personnel du président de la République. Mais quand vous revendiquez ambassadeur nommé par quelqu'un d'autre, c'est de la haute trahison et c'est du terrorisme. Donc, je crois que la diaspora, oui, qui est appelée diaspora nuisible est une diaspora qui est essentiellement active dans le domaine politique, mais cette diaspora peut être également active dans le domaine économique. Envoyer de la brocante au Cameroun, c'est nuire à l'économie du Cameroun ou de n'importe quel autre pays. Dernière chose sur laquelle je voudrais dire sur ce sujet, c'est que quand on comptabilise les 65 milliards et on dit que c'est ça la diaspora, en fait, je m'insurge généralement contre ce genre de grandeur parce que ce n'est pas que ça l'action de la diaspora. La diaspora envoie, fait certes des transferts d'argent au Cameroun. On dit que l'année dernière, ça a été 185 milliards de francs CFA. Mais elle ne se limite pas à ça. Est-ce qu'on a comptabilisé là-dedans la brocante qu'elle a vendue ici, les voitures d'occasion qu'elle a vendues ici? Est-ce qu'on a comptabilisé là-dedans les parfums qu'elle a ramenés dans les valises? Est-ce qu'on a comptabilisé là-dedans les pâtes dentifrice qu'elle a ramenées et qu'on vend derrière les voitures ici à Akwa? Est-ce qu'on a comptabilisé tout ça? Non. Donc, je crois que la question n'est pas celle-là. Et je dirais que au fond, il faut des institutions qui encadrent notre diaspora. Il faut écouter notre diaspora.
qu'importe tout ce qu'on a appelé diaspora nuisible là et tous les autres qu'on a appelé diaspora utile, il faut des institutions qui les écoutent. Nous pouvons garder la loi de 68 qui dit qu'on n'a pas besoin, qui rejette la double nationalité ou la multinationalité, mais nous devons avoir des institutions, nous devons, j'insiste parce que j'estime que c'est un devoir républicain, d'avoir des institutions qui écoutent cette diaspora. Bon. Qui écoutent cette diaspora pour comprendre avec elle quelle est la meilleure façon d'agir dans le cadre de notre pays et quelle est la meilleure façon de contribuer au développement de notre pays. Sauf que il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne et il y a une diaspora, malheureusement à laquelle on ne fait pas attention. Nous devons nous assurer à chaque fois que ceux qui sont dans le secteur de l'enseignement puissent contribuer. On peut aider nos universités qui manquent d'enseignants par exemple grâce à cette diaspora à travers des cours en ligne. Des choses comme ça. Donc, il faut créer un cadre, en tout cas, d'implication de la diaspora dans la résolution de nos problèmes et voir comment nous assurer de faciliter l'action de la diaspora chez nous. Président Badakani, il y a également une autre diaspora qui n'est pas souvent connue, qui n'est pas également souvent reconnue par nos États africains. Je prends cette diaspora intelligente qui n'est pas reconnue justement par nos pays. Cas du docteur Muyangi, qui était bien sûr du Congo Kinshasa, mais qui malheureusement n'a pas, ses recherches n'ont pas été reconnues par le Congo Kinshasa, mais plutôt par Madagascar. Poser le problème de ce que nous avons convoqué tout à l'heure. Oui. La situation historique et géopolitique de nos États. J'explique ça. C'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Le compatriote qui n'a pas été reconnu au niveau de ses compétences par l'État de son pays, bizarrement, le président de son pays se retrouve en vidéoconférence avec le président Bagache pour vanter justement ce qu'il a refusé chez lui. Donc, il y a des contradictions comme ça. Bon, on ne va pas y revenir parce que ce n'est que l'expression de la situation historique et géopolitique de nos pays. Il y a des trivialités sur lesquelles, à un moment donné, on se fatigue d'y revenir constamment. Nos États, on connaît, ne sont pas encore des États. Ce sont des néocolonies. C'est-à-dire, ça dure des millénaires bientôt. Oui. Ça va bientôt faire plus de 1000 ans. Je pense que plus de 1000 ans que ça dure. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 1000 ans que nos pays n'ont pas d'existence historique au sens géopolitique et politique du mot. Donc c'est quelque chose de très sérieux, parce que les gens en parlent souvent légèrement, confondant leur opinion, leurs humeurs, leurs émotions avec un discours logique acceptable. Il faut faire attention. Donc c'est un truc qui est long, qui doit nous faire réfléchir sur notre condition d'être humain sur cette terre. Tout à l'heure, je ne vais pas revenir. Docteur Yama tranché ce débat. J'ai dit tranché de façon péremptoire parce que les arguments qu'il a convoqués devraient s'imposer. Les transferts ne développent pas un pays. Il ne faut pas faire des rêveries inutiles. On ne développe pas. On l'a démontré. Les transferts permettent de survivre, que les gens mangent, de soigner quelqu'un. On ne développe pas. Quand on parle de développer, ça n'a rien à voir avec la vie végétative. Les animaux mangent tous les jours. Ils satisfont des besoins primaires. Les animaux le font. L'être humain, ce qui le distingue, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Quand il a mangé, il a bu, il s'est soigné, il développe son intelligence, le génie, l'esprit, les choses intellectuelles. C'est ça. C'est à ce niveau qu'on parle de développement. C'est-à-dire, vous commencez à transformer votre environnement, vous projetez au-delà des besoins primaires. Et vous faites des choses extraordinaires, comme ce que nous fait en vieux temps les Occidentaux, au point d'oublier que tout ça vient de chez nous. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il n'en est pas question ici. D'ailleurs, s'il faut analyser de manière fondamentale ces agrégats, cette chiffrologie qu'on nous balance là maintenant, 65 milliards de dollars, il faut que les gens sachent pourquoi on a mis ça sur la table. C'est qu'à un moment donné, ils ont étudié comment est-ce qu'ils peuvent capitaliser ça. C'est-à-dire les sociétés de transport ont dit, mais il faut qu'on pense tout ça. Donc on a fait des études pour voir exactement quel est le flux d'argent que vous envoyez chez vous, comment est-ce qu'on va capter ça, les sociétés de transport. Mais allez voir le nombre d'argent qu'ils prélèvent sur le transfert que vous envoyez ici. Allez étudier. C'est pour ça qu'on a balancé cette affaire. Et les gens ont commencé à croire que c'est notre que la diaspora peut développer les pays, leur pays. C'est faux, c'est absolument faux. C'est un effort national, c'est un État qui opère sa mutation, qui prend en charge la question du développement de son pays. Il n'y a pas d'autre magie. Penser autrement, c'est vraiment se tromper. Deuxièmement, ne prêtons pas à la diaspora ce qu'elle ne veut pas faire. Quand quelqu'un envoie l'argent au pays, est-ce que vous avez dit qu'il veut développer le pays? Non, il veut aider sa mère qui a un problème. Il veut aider son frère qui veut régler un problème sur place. Ce n'est pas pour développer.
C'est-à-dire quand le gars dit j'ai transféré l'argent, c'est devant que bon, on a fait une demande à partir de la famille sur place. Écoute, maman est malade, papa a tel problème. Le gars dit ok, d'accord, je vais dégager, n'est-ce pas, une part de mon revenu pour envoyer chez vous. Dans sa tête, il n'y a pas de développement. Vous ne développez pas s'il n'y a pas une pensée pour développer. Développer, c'est dire que vous avez construit un logiciel pour réaliser un projet qui va au-delà de vous et qui peut transformer votre environnement. Là, on parle de développement. Mais dans le transfert, vous avez vu un gars s'asseoir, dire que bon, pas le transfert, je veux faire un projet de développement. Non, il répond à un besoin. Il veut satisfaire à un besoin. Construit des maisons ici. C'est pas ça, développer un pays, construire une maison. C'est là où vous trompez beaucoup. Mais vous voulez quand même pas vous trompez. Mon cher, quand vous êtes intelligent, on se comprend. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'expansion urbaine et mettre ça au profit d'une diaspora. Mais non, attention. Construire des maisons, c'est pas développer un pays. D'ailleurs, actuellement dans le monde, le boom infrastructurel est questionné par des chercheurs. Dedans, il n'y a même plus de développement. Alors, vous voyez des pays où on fait 3 ponts, 4 ponts. Ce n'est pas parce qu'on veut développer. C'est parce qu'on veut blanchir de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le monde qui circule dans les fonds souverains. On ne sait pas quoi en faire. Et on invente même des projets là où il n'y a pas. On rase des écosystèmes utiles pour construire du béton. Il faut faire attention. Donc, construire une maison, c'est pas qu'on a développé un pays. On a peut-être arrangé son confort personnel. Et encore, il faut même voir quel type de maison. Vous faites des maisons, vous n'utilisez aucun matériel local digne de ce nom. Vous avez construit une maison. Donc, ne leur prêtons pas des idées qu'ils n'ont même pas eux-mêmes. Il y a, parlons-nous de ces transferts. Pourquoi on ne ferait pas une étude, mon cher Bikay? Tu as dit de très bonnes choses, hein. Ce n'est pas un acharnement. Je te précise. Bon. Donc, c'est-à-dire... C'est une débat, il faut qu'il soit... Non, oui, d'accord, non. C'est-à-dire que voilà. Donc, voilà. Parlons de transferts. Qui a fait une étude pour savoir le nombre d'argent qui circule dans la diaspora intra-africaine? Moi, je regarde les Maliens qui sont ici chez nous. Étudiez les Maliens. C'est, dans votre quartier, ça ne demande pas quelque chose de scientifiquement compliqué. Regardez combien de Maliens, dans le cadre d'un métier de blanchisseur simplement, regardez sur 5-10 ans, combien de Maliens vont utiliser la même blanchisserie artisanale, là, que vous voyez chez vous pour laver vos habits. Au bout de 10 ans, combien ont circulé là? Et allez voir ce qu'ils ont investi dans leur pays. Allez voir, qui étudie ça? Moi, j'ai vu des exemples. Moi, j'ai dans mon quartier un Nigérien qu'on appelle Kamga. Kamga m'a vu grandir. Son travail, c'est seulement cafétéria. Ça veut dire que pour savoir faire du café, une jeune fille te prend là, en 2 heures, elle t'apprend comment faire une molette, comment faire du bon de spaghetti, des choses comme ça. Le gars, c'est ce qu'il sait faire. Depuis que je l'ai vu, j'ai grandi là. Kamga est là. Kamga est à 5 maisons au Niger. Vous venez chez moi, je l'amène chez vous. Kamga. Aujourd'hui, il est devenu un caïd dans l'affaire où maintenant il s'assoit seulement, les gens viennent se recycler là, il est assis, il ne travaille même plus. 5 maisons. Mais qui calcule ces choses-là? Qui calcule? Ça, parce que Western Union et toute cette bande de prestataires financiers, pour rester poli, bon, mais là, il ne faut pas que je sois un peu plus sauvage, c'est-à-dire, pour rester poli, les gars décident que bon, on va capter la manne, s'intéresse dessus, mais je vais même faire une erreur en parlant de ça, peut-être ils vont commencer à regarder même ça, ils vont fondre dessus pour commencer à prélever. Donc, faisons attention. J'ai salué le fait qu'il y a ici, et convoqué cela, parce qu'on méprise ça. Vous pouvez imaginer ce que la diaspora nigériane, qui est là au camp Yabassi depuis combien d'années, allez voir en termes de transfert ce que ces gens ont envoyé chez eux. Qui étudie ça? Et ce n'est pas fait par les banques classiques. Hein? Mais ça, pour faire quoi? Est-ce qu'on passe par les banques classiques? Qui calcule ça? Donc, vous voyez qu'il y a un phénomène objectif d'aliénation qui nous amène à faire des erreurs. Et souvent même à nous battre pour rien. Il y a quelqu'un a parlé des éléments culturels et historiques. C'est très important. C'est Dieu qui a convoqué ça. C'est très important. Le facteur culturel pèse beaucoup. C'est-à-dire depuis plus de 1000 ans, nous avons perdu notre capacité d'initiative historique et nous avons tendance à répéter, à reprendre dans notre compte facilement tout ce qui vient de là-bas. Or, il est démontré depuis la nuit des temps que ce qui vient de là-bas est rarement bon. C'est démontré. Rarement bon, du moins pour ce qui nous concerne. Mais nous avons cette tendance-là et on ne réfléchit pas. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il y aura un choc. Et là, je rebondis ce que vous avez dit. La diaspora va rentrer. Parce que là, maintenant, là, il faudra savoir est-ce qu'on va être vacciné ou pas. C'est ça. Donc, il y a même là une opportunité que les États doivent saisir. Bon, je ne rêve pas beaucoup concernant nos États, mais on parle pour parler aussi. Donc, il y a une opportunité à choisir. Parce que, voilà, je vous parle d'un projet depuis. Et vous savez, tout à l'heure, tu as parlé de guerre biologique. Non, c'est un génocide universel. C'est-à-dire, Bill Gates, il y a des détraqués mentaux dans le monde. Les Bill Gates, les Macron, tous ces gens-là,
qui ont décidé de nous verser. J'ai lisé un document ce matin, je l'ai ici. Macron est clair, je l'ai là. C'est clair, mais c'est effroyable de voir que des gens décident d'exterminer la population mondiale et de nous mettre un vaccin qui fera tout de nous sauf des êtres humains. Alors le débat est, combien de nos frères de l'étranger vont accepter ça? Ceux qui ne vont pas l'accepter, il faut qu'on les tende les plaques, venez au pays. Et ça peut nous coûter moins cher. Parce que quand c'est normal, opérer des transferts de ressources humaines, c'est compliqué parce qu'il y a le niveau de vie, le way of life qui pèse. Mais quand tu es menacé d'être zombifié par un vaccin, tu rentres à la maison. Bon, mais on se comprend. Donc, c'est une opportunité. Mais là encore, vous voyez, comme nos États sont dans le complot, c'est-à-dire malgré eux, vous avez dit un truc, c'est-à-dire que nos dirigeants, la plupart, leur agence, c'est à l'étranger. Non, c'est lui qui a dit ça. Mais je pense que tu as parlé aussi un peu de ça. Leur agence, c'est à l'étranger. Leurs enfants, c'est à l'étranger. Donc, leur être là-bas, ce sont des vampires au sens objectif. C'est-à-dire que les gens qui peuvent se dupliquer, c'est-à-dire qu'ils ont une partie d'eux ici. L'autre partie est là-bas. La palme la plus importante est là-bas. Et du coup, quand il y a les dynamiques comme ça, l'Occident, c'est qu'on vous tient par là. Donc maintenant, les dirigeants africains vont être obligés de faire un sursaut, malgré eux. Parce que leurs enfants pourraient être vaccinés là-bas. Leur argent va être vacciné. Parce qu'on va dire, monsieur, pourquoi tu prends l'argent là, ici, là, rentre dans le programme ici. Ce sont des défis qui traduisent justement le fait qu'on ne peut pas s'aliéner à une culture qui ne connaît pas la valeur de la vie. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi si ce n'est pas pour valoriser la vie. Mais ils ne connaissent pas ça. Hein. Ils connaissent l'argent. Ils connaissent la violence. Ils connaissent la mort. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, pour revenir sur la question de l'instrumentalisation géopolitique de la diaspora, prenons le fait récent. Je ne vais pas revenir tout ce que Yam a si bien souligné, avec d'ailleurs beaucoup de pertinence. L'ambassadeur de France, lorsqu'il est venu faire son cinéma là, il dit qu'il donne 7 milliards au Cameroun. Vraiment. Je ne vais pas revenir sur le caractère burlesque d'une telle déclaration. C'est un jeu d'écriture. Il ne donne rien. Il dit, quand il est face à Ibrahim Chérif, on lui pose la question concernant la base. Il dit, c'est une association reconnue en France. Écoutez, c'est ce qu'il dit, lui-même. Bah, alors, le débat est clos. Si l'association est reconnue dans un pays, ça veut dire que l'État a le rôle régalien de réguler la vie des associations. Maintenant, si vous avez une association qui nuit de manière diplomatique à vos relations avec un pays ami, qu'est-ce que vous faites? La dissoudre. L'ambassadeur nous dit ça en direct. Il dit que non, c'est une association reconnue. Bon, comme il était dans un média d'État, je pense que Ibrahim Chérif n'a pas voulu l'accabler. Mais c'était clair. C'était clair. Vous voyez à quel niveau on peut instrumentaliser des diasporas, une partie de la diaspora qui n'a pas de consistance parce que justement, elle est réduite à une situation de suivi économique à l'état primaire. Comment on peut instrumentaliser? D'ailleurs, ceux qui ont voyagé savent surtout en France, il y a des catégories de citoyens. Hein. Citoyens. Et la nationalité française, elle est graduée. Elle est graduée. Vous n'accédez pas à la pleine nationalité n'importe comment. Il y a des sous-nationalités. Et oui, allons-y. Il y a des sous-nationalités. Il y a des gens qui ne sont ni français ni camerounais. On les balade dans un vide juridique comme ça. Et là, on peut les amener à faire toutes sortes de choses que vous ne pouvez même pas imaginer par les services secrets. Mais pourtant, on les maintient sur le territoire. Et ils sont même plus agressifs hein, parce que même souvent, ils ont un problème avec leur pays. Mais leur situation même les rend agressifs. Ils vivent sous pression. Et c'est une technique que les services secrets connaissent. On travaille ça pour mettre quelqu'un sous pression et l'amener à faire tout et n'importe quoi. Donc, moi, je pense que malgré tout ça, notre diaspora a demain une opportunité. Globalement, c'est une opportunité. C'est une opportunité et une fois de plus, comme nous l'avons dit sur ce plateau, il faut que nos dirigeants fassent preuve d'imagination pour les intégrer. Quitte à moduler la jouissance de la citoyenneté. On peut la moduler. Lorsque quelqu'un a une double nationalité, on peut lui interdire des postes politiques. Et c'est normal. Parce que vous voulez aspirer à des fonctions politiques d'un certain niveau, vous devez choisir votre nationalité. Même des carrières. Comme des carrières. Donc on peut moduler. Voilà, on peut moduler de manière à ce que le pays profite globalement. Albert Nathalie, ici, nous sortons déjà de ce débat. Votre mot de fin rapidement. Mais écoutez, je voudrais dire à Yam que les règles sont faites pour être violées. Oui, absolument. Même les lois sont faites pour être violées. Je t'ai fait loi. Parce que. Non, tu vas franchir le pas là. Non, je suis déjà arrivé. Là, nous avons connu des situations dans ce pays où quelqu'un est accusé de détournement des données publiques.
Et lorsqu'il est fait face à la rigueur judiciaire, on brandit sa nationalité française, on l'estime des mal de la justice. Comment ça peut s'expliquer? Ça s'explique par le fait qu'ils ont la double nationalité parce qu'ils ne sont pas. Quelqu'un peut également détourner de l'argent dès qu'on est en train de faire une enquête et il prend l'avion et non, il s'en va. Non, je pense que je dis bien la. Et je précise à nous dire que la plupart de ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent ont double nationalité. Il y en a même qui ont triple nationalité. Ça, c'est aussi vrai que ça. Donc, ils sont en train de violer, justement. Là. Ils sont en train de violer les règles. Il a seulement dit qu'il a pas. J'ai simplement dit que. Bon, maintenant. À la loi. Bon, maintenant, je pense que, au niveau du Cameroun, puisque c'est le Cameroun que je connais mieux, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être mises en place pour permettre à la diaspora de contribuer, n'est-ce pas, à la constitution nationale. Nous faisons croire que cette plateforme qui a été mise en place. Après le dialogue, le grand dialogue national, ces réflexions vont se poursuivre parce que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir des textes, quelques temps après, ça disparaît dans les tiroirs. Donc, je crois également que de plus en plus, il faut qu'on implique la diaspora, mais sauf qu'il y a un problème quand même, il faut qu'on règle les problèmes de double nationalité. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un, comme Yamel disait tantôt, qui est à la fois étonné, ça ne s'explique pas. Ça ne peut même pas se faire. Non, c'est une ambiguïté. Donc, je pense que leur contribution est essentielle et nous avons d'ailleurs certains membres de la diaspora qui justement s'investissent même, notamment au niveau de la, sur plan sanitaire, au niveau de la médecine. Parce que moi je connais un médecin qui a exercé en Belgique, je crois, non en Suisse. Il est arrivé au Cameroun, il a conçu un hôpital à Kulunga et qu'il a ressourcé à la collectivité. Donc je pense qu'il y a des gens comme ça qui posent les actes de développement et je crois qu'ils sont intéressants pour le Cameroun. Et il peut pas piquer à votre mot de fin, on sort de ce débat déjà, parce que là j'ai encore deux invités. Le fait que le développement, comme disait le président tout à l'heure, est d'abord une affaire individuelle. Moi, j'ai lu un excellent travail de Dr Yamp sur la restructuration du Carrefour de côté. C'est un travail individuel. Et avec mon regard de géographe, et il y avait des éléments qui me permettaient d'auto-évaluer ce travail-là. Il était de qualité. C'est une affaire individuelle qu'on met à la disposition de la communauté. J'imagine dans son petit cerveau, il a tous les chiffres permettant de rendre le Carrefour de Côte fluide. Ça, c'est son apport pour développer un espace qui est communautaire, à la limite, qui est africain. C'est ça le développement. C'est-à-dire que chacun vient avec sa petite pierre, mais dans le respect de l'art. Et c'est ce que nos frères de la diaspora essaient de faire. Combien sont venus? On voulait construire des hôpitaux au Cameroun. Mais on ne les a pas reconnus, c'est justement les a pas reconnus. Combien on veut développer l'industrie touristique ici sans succès. Donc, c'est ce que je suis d'accord avec. C'est lui-même qui a apporté, il faut le dire comme ça, hein, l'apport du SAMU. Il a été écarté carrément de la situation. Je suis d'accord avec ça, parce qu'en réalité, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des groupes paresseux qui sont à l'intérieur du territoire et qui leur ont de temps en temps ceux qui ont une substance grise plus ou moins à s'affûter. Dès qu'ils sont au courant d'un projet, on l'écarte, ils s'en approprient. Et dès qu'il a le financement, ils s'auto-programment comme étant celui-là qui a conçu. Et là, il faut le combattre. Il faut le combattre. Il faut comprendre aujourd'hui, et je reste sur sa chute. Il y a une diaspora, qu'elle soit nuisible ou utile, il faut écouter cette diaspora. Tout comme il faut écouter ceux qui ont accepté rester au pays pour développer. Donc c'est ça. Le développement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de Bamleke, comme de Bassa, de Tôn, Ezeka, par exemple. Il est rentré du Marla aux États-Unis et il s'est investi à Ezeka. Et aujourd'hui, il est en train de faire des choses plus ou moins bien. On espère qu'il va pouvoir arriver à rendre la ville beaucoup plus lisible, visible et agréable. Comme ce fut le cas, hein, voilà. Il y a encore dans le temps. Il faudrait que on comprenne que aujourd'hui le développement d'un pays repose sur les enfants d'un pays. Qu'ils aient la triple nationalité, la binationalité, il y a toujours de l'espace à l'intérieur d'une chambre, d'une mère, pour ses enfants. Mais il y a un danger à avoir une triple nationalité. Il y aura toujours une cuillère à l'intérieur d'un plat qui est posé sur la table pour tous les enfants. Il faut qu'on le comprenne. Il n'y a pas de guerre à croire que non. Parce que celui-là est sorti du Maryland, celui-ci est africain, voilà, non. On fait un joint venture, on mélange ces savoirs-là pour faire en sorte que notre peuple soit grand. On a besoin de nos enfants. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin pour ce débat. Docteur Yam, merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Ce fut intéressant. Je vous ai écouté. Président Badakani, je vous dis également merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatole ici, merci également. Eric Pépin Bikaï, vous également, je vous dis merci. Tout de suite et maintenant, nous entrons au cœur, il faut le dire, du droit.
Pas de course encore ce matin, on me fait des signes avec des mains pour me faire savoir que nos invités doivent être assis aussi rapidement que possible. On se voit pile ou face tous les matins. Et bien sûr, docteur Essomba Luizon est sur ce plateau ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Steve Gold, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. Et justement, maître Yom Théo est également là ce matin. Bonjour. Bonjour Steve. Bonjour. Messieurs, je vous souhaite déjà de passer un bon week-end. Hein. Déjà, c'est un bon début de week-end à vous également. Merci. Messieurs, j'ai un souci. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour me faire savoir qu'ils n'ont pas bien compris les 19 résolutions prises par le gouvernement en ce qui concerne précisément la fiscalité. Elle concerne concrètement qui ? Je commence par vous, maître. Alors, concrètement, les mesures fiscales qui ont été prises concernent à peu près tout le monde, mais plus les commerçants, à savoir les commerçants personnes physiques ou les commerçants personnes morales des entreprises. Donc, parmi les mesures, il y a le crédit TVA de 25 milliards qui est accordé aux entreprises. Il faut savoir que le crédit TVA, bon, que j'explique tout d'abord. Allez-y. Certaines entreprises payent le TVA en avance. C'est-à-dire que l'administration fiscale, les impôts, ils ont une façon de fonctionner qui fait en sorte que, au vu du volume ou alors de ce qu'on envisage d'avoir comme marchandise, comme importation, comme exportation, on paye un certain nombre d'impôts. Et à la fin de l'année, en fonction du flux, on évalue et ce qui est resté de ce qu'on a versé nous est reversé par l'administration fiscale. Oui. C'est ça le crédit TVA. Donc le crédit TVA de 25 milliards est accordé à certaines entreprises. On a décalé ou suspendu le contrôle des impôts pour certaines entreprises, contrôle sur place, parce qu'il faut savoir que des entreprises sont les services des impôts se rendent dans les entreprises souvent pour vérifier leurs états financiers. Donc cela a été suspendu. L'impôt libératoire, c'est suspendu un également. Impôt, oui, suspendu. C'est un impôt qui est versé par les petits commerçants. L'impôt libératoire est le seul impôt qui est versé par certains commerçants durant l'année. Cet impôt-là a été suspendu. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui ont été prises pour les grands commerçants et les petits commerçants. Maintenant, en fonction de son régime, on évalue parmi les mesures qui ont été prises, on évalue donc ce qui s'applique à nous. Et puis, on... Docteur Essomba, l'OTVP également en fait partie ? Parce qu'il y a des mamans qui sont au bord de la route, il y a également des callboxeuses. Est-ce que cela aussi, elles aussi, elles ont été prises en compte dans justement cette fiscalité? Oui, justement. Ce qu'il faut pouvoir dire, c'est quoi? C'est que ces mesures entrent dans ce qu'on appelle les politiques publiques fiscales, qui ont certainement un impact sur la société, un impact sur tout ce qui exerce une activité commerciale. Et bien évidemment, cela rentre dans ce qu'on appelle les allègements fiscaux. C'est-à-dire que pour permettre, donc, compte tenu de la situation de crise sanitaire, pour permettre de se relancer économiquement et financièrement, donc l'OTVP, effectivement, fait partie de ça. En fait partie. Donc, cela veut dire que la dame, par exemple, qui fait le call box, elle n'a pas le droit de payer cette OTVP. Oui, justement, au regard des mesures qui ont été prises. Et la dame qui vend la tomate également borde la route. En principe, déjà, il faut se demander si la dame qui va au bord de la route doit payer l'OTVP. Ça, c'est un autre débat. D'accord ? Disons que oui. Oui, c'est un impôt local. Oui, voilà. Oui, dans ces conditions-là, on peut imaginer que cette dame-là ne devrait pas payer. Mais comme je vous ai dit l'autre jour... Pourtant, je vais vous dire une chose, hein, parce que vous êtes là, vous êtes des hommes de droit, vous êtes avec moi, je vous expose les problèmes, hein, comme on me les expose également. Problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnels des mairies qui se lèvent pour venir justement demander cet impôt depuis quelques jours. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de demander? Justement, est-ce qu'ils ont le droit de demander? J'ai envie de dire purement juridiquement oui. D'accord? Oui. Au vu de la situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement, non. Je m'explique. Je vous parle par exemple au cas d'hier, qui a justement des personnes qui sont descendues sur le terrain, pour ne pas dire dans les rues, pour aller réclamer justement cette OTVP. Non, ça veut dire que Steam Ghost, ceux-là n'ont pas pu prendre le soin de lire et d'entrer à corps avec les nouvelles prescriptions qui ont été dernièrement prises. Parce qu'en réalité, comme ils le disent, ils le soulignent bien avec pertinence, dans le principe, oui,
Mais nous sommes dans une situation de crise sanitaire et ce que j'appellerais un ordre public sanitaire qui est justement qui impacte sur la vie sociale des Camerounais, d'où donc la nécessité justement que les mairies ou du moins les exécutifs communaux prennent en compte les prescriptions qui sont contenues dans qui rentrent dans la lutte véritable contre cette pandémie, d'où donc la nécessité de ne pas prélever un tel impôt que je qualifie d'impôt local. Justement, parce que c'est un impôt local. C'est un impôt local. Pour... Voilà, justement. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, les mairies n'ont pas le droit de réclamer cet impôt. Non, pas qu'elles n'ont pas le droit. Comme on vous l'explique, cet impôt local devrait être payé. Mais compte tenu des prescriptions du gouvernement et de l'état dans lequel le pays se trouve en raison de cette crise sanitaire, il devrait comprendre et rentrer dans cette politique fiscale. Maintenant qu'il ne respecte pas justement ce que les prescriptions du chef de l'État, justement on parle de ces 25 prescriptions, 19 prescriptions en temps pour moi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut bien que quelqu'un puisse sauver ses femmes et ses femmes, alors ses vendeuses, au bord de la rue et dans les marchés également. Oui. Bon, j'ai eu envie de dire qu'il y a des voies de recours, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais oui. je pense que quelqu'un devrait rappeler à ces exécutifs communaux les mesures qui ont été prises par le gouvernement et que ces mesures-là soient répercutées à leurs agents sur le terrain. Mais comme je vous ai dit dernièrement, moi j'ai un problème avec des prescriptions ou alors des impôts qui sont prévus par des lois et qui sont suspendus ou annulés par des communiqués. D'accord ? À partir de ce moment-là, effectivement, on va se retrouver dans ce genre de situation où des gens n'ont pas une mesure contraignante pour les empêcher de rentrer collecter ces impôts-là. Donc, on est dans une sorte d'imbroglio juridique qui fait en sorte que des gens qui ne sont pas supposés à ce moment-ci prélever des impôts vont prélever des impôts simplement parce qu'il n'y a pas un instrument juridique qui les contraint à ne pas prendre cet impôt. Oui, justement, parce que là... On parle de communiqué de décret. Parce que là, à un moment donné, comme on passe par un communiqué pour parler de ces 19 prescriptions du chef de l'État, il fallait encore un autre décret, docteur Issoumba. Oui, en réalité, ces prescriptions sont contenues dans ce que j'appellerais des mesures de police administrative ou des mesures de police sanitaire, puisque nous sommes en présence d'une pandémie mortifère et mortelle. Donc, en réalité, qui crée ce que j'appellerais un ordre public sanitaire. Oui. D'où donc la nécessité pour les exécutifs communaux et tous ceux qui sont impliqués de comprendre qu'en réalité, il a si bien souligné, c'est-à-dire que nous sommes dans ce que j'appellerais la législation fiscale, c'est-à-dire que la loi fiscale, puisque c'est la loi, vous savez que la fiscalité est d'abord contenue dans la Constitution, avant justement de voir un certain nombre de ces dispositions être encadrées par les lois. Ça veut donc dire que lorsqu'un communiqué ou bien une prescription gouvernementale arrive à pouvoir indiquer, à prendre le contre-pied de ce que prévoit la loi ou la Constitution, il y a donc un véritable problème sur le terrain de la pratique. Non, il n'y a pas le vide juridique. C'est simplement que nous sommes dans ce que j'appellerais une situation d'exception. Et en situation d'exception, des mesures exceptionnelles. D'où justement la nécessité pour les uns et les autres de comprendre la nécessité de l'intervention du gouvernement à travers ces mesures de police sanitaire pour que les uns et les autres ne rentrent pas dans le jeu habituel, c'est-à-dire qui consiste à aller recueillir, à aller recouvrer de l'argent sur le terrain, justement parce que ces prescriptions sont inscrites dans ce que j'appelle tout à l'heure une situation d'exception. Il devait donc comprendre qu'il n'y a pas lieu d'aller prélever les 10 impôts. Justement, parlant de cette situation d'exception, fallait-il un décret à la place d'un communiqué? Alors, dans des situations d'urgence comme celle-ci, ou des situations d'exception, la Constitution prévoit des mesures, d'accord? La Constitution prévoit des canevas dans lesquels des mesures d'exception peuvent être prises. On aurait pu évoquer l'état d'urgence sanitaire, par exemple, pour permettre au gouvernement et particulièrement au président de la République de prendre une ordonnance. Voilà, des ordonnances qui permettent d'annuler, de suspendre un certain nombre de choses. On ne l'a pas fait pour des raisons que je ne comprends pas. Pourtant, c'est possible, c'est faisable, c'est prévu par la Constitution. Donc, on s'est contenté. Je comprends l'urgence et d'une prescription. Voilà, on s'est contenté de communiquer. Depuis le début de cette crise, le gouvernement fait des communiqués. Il y a
quelques ministères. Je pense que le ministre de l'administration territoriale qui a pris un arrêté qui va dans le sens des mesures. Il y a aussi le ministre des Transports qui a pris une lettre circulaire. Mais jusque-là, je veux dire, ces actes qui sont pris ne sont pas en phase avec ce que la Constitution prévoit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci où des exécutifs communaux refusent parce que c'est de ça qu'il s'agit, refusent de suivre les prescriptions gouvernementales. Et c'est un tort justement parce que, comme nous l'indiquons avec force et vigueur, oui, nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de déception. C'est pourquoi je dis, en période de déception, des mesures exceptionnelles. Ça veut donc dire qu'en réalité, tous ces exécutifs communaux devaient comprendre que la lutte contre cette pandémie mortifère et mortelle impose donc à l'État de prendre des mesures exceptionnelles qui méritent donc d'être exécutées sur le terrain de la pratique. Vous qui êtes enseignant, et puisque vous êtes là, messieurs, vous êtes du droit, je vais vous commencer par vous. C'est quoi un décret? Quelle est la différence entre un communiqué, un décret et une prescription? Alors, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que dans la hiérarchie des actes administratifs, le décret est l'acte le plus élevé. Oui. Et il n'y a que deux personnalités qui prennent les actes par décret, le président de la République et le premier ministre. Et maintenant, les communiqués, ça dit qu'un communiqué, c'est un acte administratif, certes, mais qui, dans la hiérarchie des actes, occupe le dernier palier. Ça dit que, d'ailleurs, au niveau de son autorité, parce qu'un communiqué, dans le principe, n'a pour mission et pour ambition que d'informer. Hein, par exemple, le directeur de la chaîne dit, nous informons à tout le personnel que nous avons réunion à 15h. Vous voyez, donc, il y a un souci d'information. Alors, si dans le communiqué, le directeur dit, nous avons réunion à 15h et qu'à 14h50, tout le personnel soit là, ce communiqué fait rentrer une prescription qui modifie l'ordonnancement juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la réunion est à 15h, vous pouvez venir à 15h moins 2. Mais vous serez présent. Mais en consignant dans le communiqué que vous devez être là forcément à 14h30, cela veut dire que le communiqué peut cesser de jouer son rôle d'information pour devenir un acte exécutoire, c'est-à-dire un acte qui crée en vous des droits et des obligations, surtout l'obligation d'être là à 14h30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que dans la hiérarchie des actes juridiques, pour se résumer, le communiqué est le dernier dans la hiérarchie des actes, c'est-à-dire le dernier acte dans la hiérarchie des actes au niveau de sa valeur juridique. Parce et que maintenant, c'est quoi un arrêté? Bon, un arrêté, c'est toujours un acte administratif. En fait, dans l'ordonnancement des actes, oui, vous avez le décret, vous avez les arrêtés. Bon, vous pouvez maintenant avoir, si possible, des communiqués, vous pouvez avoir des circulaires. Disons, dans le bon classement, décret, arrêté, circulaire. Maintenant, vous pouvez avoir un communiqué qui intervient donc en dessous des actes administratifs au niveau de leur supériorité. Je vais aller avec vous. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait un décret pour que toutes ces prescriptions soient respectées. Je pense qu'on aurait pu avoir soit une ordonnance, oui, soit des décrets. Mais en tout cas, conformément aux dispositions de la Constitution, prononcées, à mon sens, en état d'urgence sanitaire, oui, qui aurait permis au président de la République et éventuellement à quelqu'un qui l'aurait délégué de prendre des actes comme des décrets ou des ordonnances qui permettaient d'annuler ou de suspendre un certain type d'impôt ou d'obligation. Et comme l'a rappelé le prof, oui, le communiqué, dans sa force probante, ne vaut pas grand-chose, en fait. C'est ce qu'il essayait de vous dire. Ne vaut pas grand-chose, ça signifie qu'on n'est pas obligé de le respecter. C'est la question que moi, je veux comprendre. Non, pas qu'on n'est pas obligé de le respecter. Vous voyez, les mesures qui sont suspendues ou qui sont annulées sont prévues par des lois. Comme il a dit, dans l'ordonnancement juridique, voilà, dans la hiérarchie des normes, oui, les lois sont au-dessus. Alors, quand vous prenez des communiqués qui ont moins de force probante que les lois, en principe, celui qui respecte la loi n'est pas, comment je veux dire, n'est pas sanctionnable de façon, je veux dire, empirique. Il n'est pas sanctionnable. Donc, maintenant, on peut comprendre que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, on peut comprendre les prescriptions du gouvernement et les appliquer, mais il aurait fallu que le gouvernement s'y prenne de la façon la plus légale. La plus légale. Messieurs, je vais sortir avec vous pour vous poser cette question que un de mes techniciens me pose d'ailleurs. Dans certaines régions, il y a des boutiques, des marchés qui ont été scellés. Et que peuvent faire justement ces commerçants alors que la loi, enfin, cette prescription avait déjà été prise? Il faut déjà savoir pourquoi les marchés ont été scellés. Parce que certains
Les boutiques, hein. Je parle des boutiques qui ont été scellées. Il faut savoir pourquoi certaines boutiques ont été scellées. Je n'ai pas souvenance d'une prescription gouvernementale qui dit que toutes les boutiques doivent être fermées. Donc, si les boutiques ont été scellées, c'est certainement pour une raison autre que le fait qu'elles sont ouvertes. Vous comprenez? Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que les boutiques ont été scellées. Voilà. Maintenant, est-ce que les boutiques n'avaient pas respecté, n'avaient pas payé l'impôt et donc à cause des pressions gouvernementales et donc les exécutifs communaux ont décidé de fermer les boutiques. Il faut savoir si c'est réellement cela. Mais si c'est cela... Ces boutiques, elles ne doivent pas profiter justement des prescriptions si un temps soit peu elles avaient des arriérés dans le paiement de leurs impôts? Non, pas profiter. En fait, à ce moment-ci, oui, tout est suspendu en ce qui concerne l'impôt libératoire, par exemple. Parce que quand vous évoquez ces boutiques du marché-là, la plupart payent l'impôt libératoire, d'accord? Si l'impôt libératoire est suspendu, en principe, si c'est pour ça que ces boutiques-là sont fermées, elles peuvent simplement saisir le sous-préfet ou le préfet. Si avant les prescriptions, oui, ces boutiques avaient justement, il faut le dire comme ça, des crédits de paiement de cet impôt libératoire, oui, est-ce qu'elles vont profiter des nouvelles prescriptions du chef de l'État? Bon, maintenant, je vous pose juste une question. Oui, hein, oui. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. C'est pour ça que je demande, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir pourquoi ces boutiques ont été scellées. D'accord? Ça peut être pour des raisons autres que ce qu'on est en train d'évoquer. Oui. Mais si c'est pour ces raisons-ci, je pense que le moment est mal choisi pour sceller des boutiques. Donc on n'a pas le droit de sceller ces boutiques. Pas qu'on n'a pas le droit. Je dis que le moment est mal choisi et que les boutiques ou les boutiquiers peuvent saisir le préfet ou le sous-préfet du coin pour demander à ce que les prescriptions gouvernementales soient respectées par les exécutifs communaux. Donc, docteur, non, on parle simplement d'un principe général de droit, oui, que la loi ne prévoit que pour l'avenir. Donc, en réalité, si ces boutiques ont eu des antécédents antérieurs, bon, ça peut se justifier. Mais si c'est dans le cas actuel, au regard des prescriptions gouvernementales qui ont été prises, il faudrait justement qu'elles ne soient pas fermées. Et comme l'a indiqué Maître, il est important à ce moment-là de saisir les autorités de police de la place, le sous-préfet ou le préfet, justement pour la levée des scellés. Pour la levée des cils. Monsieur, je vous dis merci en tout cas d'avoir été de nous ce matin. Maître, merci d'avoir pris votre temps pour être avec nous ce matin. Docteur Essomba, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour tous ces éclaircissements sur certains sujets. D'ailleurs, que se posent d'ailleurs nos téléspectateurs, hein, il faut le dire, ils sont très nombreux, ils sont déjà des millions maintenant. Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Je devais recevoir normalement un autre grand frère qui est arrivé, mais malheureusement un peu en retard, d'Alvaris Goudiou, un grand homme d'ailleurs. Hein. Malheureusement, je ne pourrais pas le recevoir, il devait être mon expert ce matin, mais j'espère que ce sera pour lundi prochain. Plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bon week-end, au revoir.